Et une autre musique qui s'appelle Zecharia Sitchin de Solar Eclipse. FM Radio Auditrice qui m'a appelé hors antenne et qui a entendu parler d'une collision possible d'un astéroïde avec la Terre en 2019. C'est une information publiée le 30 juillet 2014, c'est tout neuf. Un astéroïde détecté au début du mois de juillet 2002 est devenu l'objet de l'espace le plus menaçant jamais découvert au cours de la récente histoire de la détection d'astéroïdes. Un astéroïde tel que celui-ci, donc une photo qui ferait des dégâts s'il entrait en collision avec la Terre. Les premiers calculs montrent en effet que le NT7 2002 se situe sur une trajectoire d'impact avec la Terre à la date du 1er février 2019. Les incertitudes sont cependant encore grandes concernant sa trajectoire exacte. En se basant sur la luminosité de l'objet, les astronomes lui octroient un diamètre de 2 km suffisant pour détruire tout un continent et provoquer un changement climatique global. Donc les astronomes du monde entier ont prêté une attention particulière à ce fameux NT7 2002 depuis sa découverte, engrangeant environ 200 observations en quelques semaines. Des observations additionnelles dans les semaines à venir permettront presque certainement, nous espérons, d'écarter la menace en cours, a déclaré le docteur Benny Pesser de l'université John Moore de Liverpool au Royaume-Uni. La marge d'erreur quant au lieu précis où se situera NT7 2002 le 1er février 2019 est grande, de l'ordre de 10 millions de kilomètres, a déclaré le docteur Donald Yeomans du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie. Donc NT7 2002 fait le tour du Soleil en 837 jours. Son orbite est assez nettement inclinée par rapport à celle de la Terre. La région du ciel où il se situe n'est observée que depuis peu, ce qui explique qu'il n'ait pas été détecté jusqu'alors. Voilà, il a été découvert grâce au télescope utilisé dans le cadre du programme LINEAR, Lincoln Near Earth Asteroid Research, situé au Nouveau-Mexique. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Olivier Magnan, s'il m'a entendu, est-ce qu'il a entendu parler ? J'ai parfaitement entendu, Joël. Oui. Malheureusement, je n'ai aucune compétence à apporter dans ce domaine. C'est vrai que nous sommes environné d'astéroïdes menaçants. Est-ce que le 1er février 2019 correspondrait à une partie de fin du monde ? Je ne sais pas du tout. On a déjà échappé à 2012. Oui, c'est vrai. Il paraît qu'on a échappé à pas mal de choses. Mais réellement, tout est possible. Cet univers est dangereux et toutes nos spéculations pourraient un jour trouver leur fin dans un holocauste de cette nature, mais là j'avoue que je suis complètement démuni d'informations et de capacité de pronostic dans ce domaine. Voilà, ce qui était intéressant dans le livre de Zecharia Sitchin, c'est qu'il disait quand même que dans les années 90, tous les gouvernements s'étaient mis d'accord pour avoir des télescopes hyper puissants, s'arranger pour finalement se mettre ensemble plutôt que de se battre pour protéger justement les terriens. Mmh, oui. Et ça pourrait avoir un avantage, toutes ces choses-là, c'est que ça mettrait peut-être un peu plus la paix sur Terre. Si vraiment il y avait une catastrophe imminente, on arrêterait de se battre peut-être. Et on en revient à cette fameuse conversation rapportée par le même Zecharia Sitchin, enfin pas spécialement, uniquement par lui d'ailleurs, puisque ce sont des choses qui sont tombées dans le domaine public, cette fameuse conversation entre l'ancien président Reagan et le dernier dirigeant de l'URSS, de la Russie ex-soviétique, qui consistait pour le président Reagan à expliquer à son homologue que si jamais l'humanité rencontrait, avait la preuve
de la manifestation de l'existence d'une intelligence extraterrestre en relation avec la Terre, eh bien, tous nos conflits s'anéantiraient immédiatement et n'auraient plus lieu d'être. Donc, il est vrai que la perspective d'une rencontre du troisième type serait peut-être une condition de paix sur Terre, en tout cas de front commun et d'envisager un dialogue galactique d'une autre nature que celui que nous menons en ce moment sur notre bonne vieille Terre, avec tous les conflits qu'il agite. Alors, dans le livre de Sitchin, il dit aussi qu'en ce qui concerne le déluge, il y a de grandes possibilités, de grandes probabilités que ce n'était pas des animaux en tant qu'une espèce de chaque espèce de la Terre, mais plutôt je vais avoir du mal aussi à 2h15, mais plutôt un peu comme on fait avec les semences qu'on a préservées là sous l'Alaska ou je ne sais où. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'était pas des animaux physiques. Il n'y avait pas un couple de poules, de tortues. Très vraisemblablement, on voit mal comment dans une arche quelconque, on aurait pu faire entrer toutes les espèces animales, oui, toutes les espèces végétales. Bon, le simple bon sens semblerait montrer que s'il y a eu préservation, c'est de nature effectivement de banque de données, d'ADN ou d'échantillonnage, mais en tout cas pas les couples tels que la représentation biblique nous les montre. Alors cet ADN, il revient beaucoup dans son livre aussi, avec le symbole du serpent. Oui, bien entendu, oui. Ce fameux symbole des deux serpents enlacés, qui est quand même d'une antiquité absolue, et dont on a découvert la raison d'être lorsque on a compris que l'ADN était constitué de deux brins de molécules entrelacées. Ça, c'est absolument fascinant quand même de voir et d'essayer de comprendre comment dans l'infinité du passé, on avait déjà une représentation physique, réellement biologique, d'un ADN qu'on allait découvrir des milliers d'années plus tard. On va voir si Gérard est toujours là. T'es toujours là, Gérard ? Oui, je suis toujours là, j'écoute attentivement. Ouais. S'il y a d'autres auditeurs, d'ailleurs... Je ne sais pas, mais pour prendre d'autres auditeurs, il faut que je me mette hors antenne. Donc, est-ce que tu as une question à poser d'abord, est-ce qu'on pourrait être sûr que ces extraterrestres seraient belliqueux, quoi ? Qu'est-ce qui nous ferait tout de suite Une question, au départ, c'est pourquoi n'y aurait-il qu'une seule sorte d'extraterrestre visiteur ? Des extraterrestres en provenance d'une seule autre planète. Et ça rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure en première partie de soirée, de ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Fermi était un chercheur, un scientifique américano-italien qui s'était penché sur cette question et qui en était arrivé à énoncer l'idée que si extraterrestres il devait y avoir, si les civilisations avancées avaient pu rejoindre la Terre dans un lointain passé, au présent, il serait déjà là, c'était sa formule, il serait déjà là, en fonction de l'âge de l'univers, en fonction statistiquement de ce qu'on peut imaginer du développement de civilisations extraterrestres, il y a belle lurette qu'il serait parvenu jusque sur la Terre. Et comme, à l'époque, il n'en trouvait trace, sa conclusion était que, et non, il n'existe pas de civilisation extraterrestre, et aucun voyageur de l'espace n'a pu atteindre la Terre jusqu'alors. Alors il y a, par rapport à ça, par rapport à ce paradoxe de Fermi, il est vrai que les théories néo-évémeristes du style Sitchin résout complètement la question, puisqu'à partir du moment où les extraterrestres en question sont dans le proche voisinage de la Terre, puisqu'ils appartiennent au système solaire,
les questions de distance ou de présence ne se posent plus. Ils sont là et ils sont dans la proximité immédiate. Donc, si. Et lui, il prétend qu'il n'y a des visites que de cette... Ah oui, il n'a pas poussé de spéculation ailleurs, d'ailleurs ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment de se positionner. De l'affirmer que ce seraient les seuls qui nous auraient visités parce qu'il n'a pas les preuves qu'il y en aurait d'autres, c'est un petit peu... Non mais c'est même pas une histoire d'affirmation, il ne s'est pas posé la question. Zecharia Sitchin était un chercheur et avec une véritable armée, d'une véritable méthode scientifique. Et véritablement, ce qui l'intéressait, lui, c'était de décrypter à travers les mythes sumériens la présence et le retour de ce qu'il a appelé les Anunnaki. Bon, absolument pas posé la question de savoir s'il existait d'autres civilisations extraterrestres. Pour le connaître un tout petit peu, je pense que ça n'y aurait posé aucun problème. C'est-à-dire qu'il pensait expressément qu'il existait bien d'autres civilisations intelligentes dans l'univers. Oui, j'ai bien compris. C'était pas son propos, ça n'était pas l'objet de sa recherche, et il ne s'est jamais exprimé sur ce point. Oui, maintenant, nous, on peut spéculer, hein, à l'infini, bien entendu. D'autres auteurs font état de la présence de vagues d'extraterrestres, et d'ailleurs différents, et cohabitants même, dans notre voisinage. Donc, effectivement, on peut spéculer sur ces aspects-là et tout est possible. Spéculer, il faut le dire, oui, spéculer. Hein. Parce que, d'après les observations, les enquêtes sérieuses, vraiment, qui ont déjà été réalisées, moi, je ne sais pas, je ne sais rien. Moi, j'ai été visité une fois. Maintenant, je ne vais pas demander d'où il venait. Hein. D'ailleurs, je n'avais pas trop envie de parler. Et c'est tout. Mais je me demande simplement, étant donné l'étendue de l'univers dont nous parlons, disons, y a aucune raison qui est qu'une autre planète, soit du système solaire ou pas d'ailleurs, qui ait pu engendrer des individus capables de rejoindre la nôtre. Parce que nous en sommes presque au stade de pouvoir atteindre d'autres planètes, d'autres constellations. Pas des constellations, Gérard. Non, mais enfin, presque. D'autres planètes à la limite et du système solaire, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On peut faire des choses. Oui, mais en combien de décennies ça a évolué? Si on imagine ne serait-ce qu'un millénaire d'évolution au rythme, parce qu'elle est exponentielle, l'évolution scientifique sur notre planète. C'est exactement ce qu'on appelle de la spéculation, Gérard. C'est pour ça que j'employais ce mot-là. Spéculer n'est pas un mot négatif. Hein. C'est pas péjoratif. Oui, j'ai tendance, oui, moi, à l'entendre de cette oreille. Oui, bien entendu que l'on peut imaginer, que l'on peut se projeter, que l'on peut estimer que. Mais pour l'instant. Mais logiquement. C'est une logique quand même. Absolument. Non, mais en tout cas, il est clair que même nos amis scientifiques les plus bornés sont aujourd'hui persuadés que la vie intelligente n'est pas réservée à la Terre. Bah oui, puisque franchement, il n'y a pas besoin d'être Bac plus 50 pour se rendre compte que, puisque nous en sommes arrivés au point, si on prenait, évidemment, c'est l'exemple classique, imaginons que Louis XIV puisse revenir sur Terre par impossible à Versailles. Aujourd'hui, il voit ce qui s'y passe dans les rues, dans les avions qui passent au-dessus, etc. Le type, il est complètement halluciné. Tombe fou. Sûrement. Et ça fait combien de temps, Louis XIV? 3 siècles? 4? 3-4 siècles? C'est quoi, 3-4 siècles? C'est rien, l'histoire de l'univers. Nous sommes complètement d'accord. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais que pour rejoindre Fermi, il est vrai que pour l'instant, à l'évidence, nous n'avons pas eu de contact officiel avec qui que ce soit qui serait d'origine extraterrestre. Oui. Officiellement. Oui, officiellement. Encore une fois, tout est possible. Je ne m'interdis aucune espèce d'hypothèse de pensée.
Et surtout pas, en tout cas, le refus systématique et dogmatique tel qu'il a été énoncé jusqu'à présent par certains. Ça peut être une grande source d'éveil, une rencontre approchée du troisième type, comme celle que j'ai vécue. Les scénarios sont possibles. Hein. Ça peut être une source d'éveil, ça peut être une catastrophe terminale. Attendez, ce que je voulais dire, c'est que intellectuellement, mentalement, lorsque moi ça m'est survenu, j'avais aucun point de repère correspondant à ce qui arrivait dans mon environnement immédiat. C'est-à-dire que ça défiait les lois de ma raison. Normalement, c'était impossible, ce à quoi j'assistais. C'est impossible par bien des aspects, des détails qui faisaient que normalement, personne ne pouvait être là à une heure pareille, sans aucun bruit, sans aucune... Enfin, un tas de paramètres complètement défiant la raison, quoi. Or, je sais très bien que c'est arrivé, puis le lendemain, j'ai vu des traces de pas dans le jardin. Je suis allé vérifier quand même, hein, parce que je savais que j'avais pas eu d'hallucination. Or, non seulement ça correspondait absolument à ce que j'avais entendu, mais avec la même diagonale de direction, des pas que j'avais entendu et qui était reparti dans l'autre sens au bout d'un certain temps. Moi, j'ai pas vu d'aéronef, j'ai pas vu devenir quoi que ce soit, j'ai rien vu voler. J'ai juste vu l'individu qui m'a visité, c'est tout. Voilà. Ça m'est complètement. Moi, j'ai jamais eu l'idée de parler de ça à qui que c'eût été, parce que automatiquement, si quelqu'un me l'avait raconté, j'aurais dit il va pas bien, quoi. Mais j'aimerais savoir ce qu'il pensait Sitchin de tous ces enlèvements, de tous ces. À vrai dire, Joël, je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu s'exprimer sur quoi que ce soit là-dessus. Il était entièrement concentré sur sa recherche. Et je ne crois pas qu'il ait jamais écrit ou même exprimé quelque chose à ce propos. Bon, cela dit, il était très souvent l'hôte de télévision, de radio aux États-Unis, donc il a très bien pu être questionné sur ce point. Mais en tout cas, nous ne l'avons jamais évoqué ensemble. Mais à mon sens, pour lui, il allait de soi que... la vie intelligente ne se résumait pas aux Anunnaki et aux créatures qu'ils étaient censés avoir créées sur Terre. Il me semble qu'à part une idéologie religieuse, en quelque sorte, nous enseignant que nous sommes les seuls, que nous sommes le centre de l'univers, quoi. Bon, alors ça peut avoir un sens vraiment intelligent, parce que il y a une concentration de paramètres qui fait que sur la Terre, effectivement, il se passe un phénomène extraordinaire de cette planète. Certainement, par rapport à très loin à la ronde, il n'y a pas de phénomène analogue, à moins de plusieurs années-lumière, j'en sais rien. Mais à partir du moment où on a la connaissance de la taille de l'univers, des galaxies, etc., je ne vois pas ce que ça peut avoir d'étonnant, le fait de concevoir intellectuellement au moins, qu'ailleurs il puisse y avoir aussi effectivement d'autres manifestations. Gérard, là, réellement, même la sphère scientifique en est arrivée à ce point. Elle a mis le temps. Elle a mis le temps. Oui, c'est vrai. Mais la seule question que se posent ces mêmes personnes maintenant, c'est ces intelligences qui forcément existent quelque part dans l'univers, sont-elles en mesure de nous rencontrer? C'est la question qui se pose actuellement et qui n'est pas tranchée. Ça, c'est la question qui me plaît. Parce que, effectivement, c'est la question qui se pose. À moi-même, de par mon expérience de l'époque, ça fait quand même 36 ans que ça m'est arrivé. Hein. J'ai 57 ans. Et alors, figurez-vous, on se pose la question, comment ça se fait qu'ils n'entrent pas en contact direct? Alors, il y a quand même un plan, disons, comment on dirait, je sais pas moi, diplomatique, il y a quand même une intelligence suprême, en quelque sorte, je trouve pas le mot, quoi, oui, un temps qui va peut-être arriver, où ça finira par se produire, le contact direct avec l'humanité, enfin, mais apparemment, ils ont une idée derrière la tête. Et pour le moment, ils restent dans leur silence à notre égard.
nous observent, mais ils laissent faire. Jusqu'à quel point ils vont laisser faire? Est-ce qu'ils vont intervenir? Est-ce que... Alors moi, je suis désolé, dans le Nouveau Testament, il y a des éléments de prédiction à ce niveau-là. Dans l'Apocalypse, ça, bon, très bien. Mais quand Christ prétend qu'il reviendra, mais il sera visible le vent au couchant, avec les troupes célestes, etc. Moi, les troupes célestes, pour moi, les troupes célestes, c'est les extraterrestres. Parce que troupes célestes, extraterrestres, pour moi, c'est synonyme. Il y a Stardust qui voudrait arriver. Alors, on va voir s'il est toujours là. Stardust est toujours là. D'accord. Oui, Joël. Donc, tu es avec Olivier Magnan, qui est journaliste, auteur et traducteur, entre autres, de la plupart des livres de Zacharia Sitchin, donc qui parle des tablettes sumériennes, des Anunnaki, et Denis Birou. Est-ce que tu as une... Vas-y. Bonsoir, Olivier Magnan. Bonsoir. Merci de nous parler de l'Illuminati. Et bonsoir, Gérard Marx. Bonsoir, Fardes. Voilà. Après cette affaire, Gérard Marx disait qu'il n'y avait pas dans son jardin. Est-ce que Gérard Marx a appelé la police? J'ai rien compris. Est-ce que tu as appelé la police quand tu as vu des pas dans ton jardin? C'est-à-dire, oui, j'aurais pu le faire. Ce qu'il y a, c'est que je me serais fait interner en hôpital psychiatrique immédiatement, sans doute. Avec des déclarations pareilles. Surtout il y a 35 ans. Ils auraient cherché à comprendre pourquoi tu as des pas. Et ah bon? Ils auraient cherché à comprendre. À toi, tu supposes ainsi. Non, je te dis franchement, il y a plein de gens qui en ont parlé quand ils ont vécu des expériences pareilles, qui se sont retrouvés enfermés, diagnostiqués d'hallucinés quand même. Et le sais-tu? Mais quand on n'allait pas... Le sais-tu? J'ai comme marche. Non, mais tu répondras à la question. Oui, mais on va sortir du sujet. Il ne faut pas sortir du sujet. C'est la question stupide, je réponds intelligemment. Il fallait appeler les pompiers. Non, mais moi je vais bien rigoler tout le temps. On rigole pas tout le temps, nous. Moi je rigole pas tout le temps. Quand on a des pas extraterrestres, c'est-à-dire des pas qui sont hors normes dans son jardin, vous appelez la police. À votre avis, Olivier, si on appelle la police, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une procédure est tout à fait en place. Contrairement à ce que craint Gérard, la gendarmerie et la police sont tout à fait informés du sérieux des témoins. Et hors cas manifeste d'ébriété ou de dérangement mental, ils prennent très très au sérieux cette affaire. Ils notent le témoignage de l'intéressé. Et ils le transmettent à un organisme unique dans le monde qui s'appelle le GEPAN, vous connaissez sans doute, qui se charge ensuite d'analyser et de prendre contact avec le témoin en question. Non, je me permets de vous interrompre une seconde. Ça s'est passé en novembre 1978. Oui, on va parler de ce qui se passerait maintenant. Ah non, mais il me pose la question pour ce qui a concerné ce que j'ai vécu. En novembre 78. Parce qu'en avril 1989, immédiatement après l'incident Phobos 2 sur Mars, le comité international accouchait enfin d'une série de lignes directrices, déclaration de principe sur les attitudes à observer après la découverte de l'existence d'une intelligence extraterrestre. Les principes révèlent certaines personnes qui ont eu accès aux documents, exposer les lignes directrices propres à minimiser la réaction publique de panique potentielle, sitôt dévoilée la première preuve de l'humanité, que l'humanité n'est pas la seule dans l'univers. Donc, comme le dit Olivier, je pense qu'il y... on ne va pas dévoiler ça tout de suite dans la presse. On ne va pas tout de suite en faire la une des journaux. Vous êtes d'accord, Olivier? Ah oui, non, vraisemblablement. Des procédures sont déjà en place.
Il est même dit qu'aucune réponse à un signal ou à une autre preuve d'intelligence extraterrestre ne devra être envoyée jusqu'à ce que les consultations internationales appropriées aient eu lieu. Les procédures pour de telles consultations seront soumises séparément à un accord, une déclaration ou un arrangement. Donc même si tu vois Stardust des pas de géant dans ton jardin... Non, c'est pas un géant, c'était un nain. C'était un nain. Bon, que ce soit un nain ou un géant, peu importe, c'était un nain de jardin. Le pied mesuré, enfin... Des pas extraterrestres. Non, mais attends, je veux pas pour toi, pas pour tout le monde. Des pas humains, vois-tu ? Le pied mesuré 12,5 cm. Des pas qui sont pas des pas humains. On est d'accord ou pas ? 12,5 cm, hein. Voilà. Qui sont pas des pas humains, que fais-tu ? Tu appelles la gendarmerie ? Oui, ton délire, bon, ça va, on le connaît. Bah, on appelle la gendarmerie, ok. Qu'est-ce qui se passe, Olivier, si on appelle la gendarmerie? Selon les procédures en place, les gendarmes en question sont tenus de prendre le témoignage, de vérifier sur place s'il y a quelque chose à vérifier et de faire un rapport au GEPAN. C'est véritablement prévu comme ça par les règlements de police et de gendarmerie. Et aujourd'hui, c'est fait. Et c'est très sérieusement fait. Mmh. Oui, le GEPAN existe depuis quand ? Oh, ça date. Hein. C'est marqué dans le livre, mais je ne sais pas si je vais te le retrouver. Ah, depuis longtemps. Il a changé de nom deux fois. C'est pas une création récente. Il a changé de nom deux fois. Hein. Il s'appelait. Il a changé de nom. Il s'est appelé le CEPRA. Il s'est de nouveau appelé le GEPAN avec un I en plus. Enfin, c'est un organisme qui dépend du CNES et qui est très sérieusement mené. Oui, Claude Poher, dont je parlais tout à l'heure. Qui est actuellement à la tête de ce GEPAN, d'ailleurs. Claude Poher, c'est ça, oui. Mmh. C'est bien lui. Oui, oui. Ex-employé de la NASA. Absolument, oui, oui. Tu connais Claude Poher, Stardust ? Qui c'est ? C'est pas grave. Mais là, je vais dire, c'est pas grave, essaye de nous expliquer qui c'est que Claude Poher. Oui, je suis à ton malin, là. Oui, enfin, toi... je sais pas ce que tu viens fiche à l'antenne. Tu te fais virer régulièrement, mais franchement, je vois pas pourquoi on t'accueille, d'ailleurs. Et tu fais pas partie des 15-18, mais je crois que tu... Dans la quarantaine, t'es pas tellement plus fin qu'eux dans leur adolescence. T'es pire, toi. Bon, je vous laisse, parce que des cochonneries comme ça, j'en ai pas besoin, vous non plus. Hein? Vous préférez parler Stardust? Bah, je les ai coupés tous parce que je ne savais plus où ils étaient. Alors, il y avait Gérard qui posait une question. Olivier, vous êtes toujours là, hein? Oui, oui. Qui se demandait dans quel... tu peux rappeler, Gérard, hein, tout est libre, là. Mais il y a quelqu'un qui arrive. Est-ce que c'est Gérard qui revient, là? Gérard, bah alors, pose ta question. Joël. Bonjour Olivier. Oui, c'est pas le même Gérard, hein, Olivier. D'accord. Mais nous connaissons, hein. Ah bon ? Avec le Gérard avec qui tu as dialogué. Ah oui, Olivier. D'accord. Voilà, enfin, on se connaît sur l'antenne d'IDFM. Mm. Voilà. Alors lui, ça fait appeler Gérard Max et moi, c'est Gérard. Voilà. D'accord. Et ta question ? Et ma question, Olivier, c'est comment. Lorsque j'entends par exemple intelligence extraterrestre, sur quelle plateforme du vocabulaire repose justement cet identifiant d'extraterrestre ou cette possibilité d'analyser le côté extraterrestre? Nous n'avons pas la possibilité. Moi, quand je regarde mon chien et que je lui parle, ça peut être pour moi un extraterrestre. J'essaye de vous suivre. Donc, lorsque vous parlez d'intelligence extraterrestre, ou lorsque le commun des mortels parle de cela, sur quoi se repose-t-il pour mettre extraterrestre sur le mot intelligence ? J'ai du mal à comprendre votre pensée. Vous comprenez mal ma question ? Oui, bon. J'avoue que là, je suis perplexe. Bon, ben, non, mais c'est très bien, parce que moi, ce qui me laisse perplexe, c'est que l'on parle d'intelligence extraterrestre alors qu'on ne sait pas définir ce qui est extraterrestre.
Ah, voilà. Alors, est-ce que vous avez compris mon... Oui, bien sûr. Bah, écoutez... Alors, qu'est-ce que c'est qui est extraterrestre pour un terrestre ? Eh bien, alors, peut-être dire la pire des âneries, mais il me semble que pour un terrestre, oui. Ce qui est extraterrestre est oui. A priori étranger à sa planète. Mais j'ai peut-être pas bien compris votre... Alors, étranger à sa planète ou étranger à sa connaissance ? C'est ça qui... Moi, c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre. Est-ce que lorsqu'on dit, par exemple, lorsqu'on extrapole sur un contact hypothétique extraterrestre, on se dit qu'il y aurait un choc culturel. Moi, mon choc culturel, il est déjà là. À partir du moment où vous dites extraterrestre, c'est en fonction de mes connaissances que ça devient extraterrestre. C'est-à-dire que j'essaye de vous donner un exemple. Le petit enfant qui regarde un oiseau voler, sans qu'il ait la connaissance de ce qu'on appelle l'animal et de ses vertus de pouvoir voler, etc., et que, à côté, un avion passe dans le ciel, les deux peuvent être pris pour l'enfant comme des objets extraterrestre, oui ou non ? Ou est-ce que je déconne ? Si vous assimilez le terrestre au sol, oui, mais c'est pas du tout le cas. Non, je parle de culture. Je parle de la possibilité de nous évader avec la culture, telle que, avec un petit c d'ailleurs, que nous en avons, pour pouvoir nous évader dans l'abstraction d'autres mondes au pluriel. Mmh. Allô. Donc est-ce que Olivier, oui. Vous m'avez bon, compris bonsoir. Là. Bonsoir. Oui, mais attends, parce que là, quand vous êtes trois, c'est un peu là, compliqué. Là, j'entends rien. Didier, faut que t'attendes qu'on ait fini avec Gérard. Ah d'accord. Bah justement parce que je voulais répondre. Bah bon, c'est pas grave. Sur les extraterrestres. Oui, vas-y. Ouais, je digère la question de Gérard, oui. De la comprendre et puis on reviendra ensemble. Non, parce que vous l'avez pas compris. Bah, en fait, on est tous des extraterrestres puisqu'on vient, on est des poussières d'étoiles, soi-disant. Donc voilà quoi. On est tous des extraterrestres déjà à la base. Ça j'en sais rien du tout. Et j'aime ne pas savoir. Mais par contre, d'affirmer le côté extraterrestre, alors que nous n'avons aucune idée d'identité de l'extraterrestre, pour moi, c'est pas clair. Qu'est-ce que c'est qui vous paraît extraterrestre ? Extraterrestre, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, hein, qui viendrait d'ailleurs. Nous, on est des extraterrestres. C'est quelque chose. On est des poussières d'étoiles. Voilà. Alors, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est bien une question de culture. C'est Gérard. Il ne m'a pas entendu, Gérard. Joël. Oui, mais je ne peux pas vous mettre un plus de deux sur l'antenne. C'est bien parce que c'est bien ce qu'il dit, mais. Joël, oui, mais je ne peux pas vous mettre un plus de deux. Joël, est-ce que tu m'entends ? D'accord. Oui, moi je. La commission, alors, comme ça. Est-ce que c'est bien une question de culture, Joël ? Est-ce que je me fais bien comprendre ? Il a bien fallu. De connaissance. Gérard, il a bien fallu à un moment qu'on fasse une différence entre ce qui est sur la Terre et ce qui ne l'est pas. Ben oui, mais moi je ne la fais pas. Le problème, il est là. C'est que je ne fais pas de différence puisque moi, les matériaux. Je vous entends à peine, mais comment se fait-il d'ailleurs ? Ils parlaient ensemble avec Max. Non. On ne peut pas vous mettre à plus de deux sans que. Voilà. Olivier. Par exemple, les fameux éléments sur le tableau chimique de Mendeleïev, par exemple, avec les nouveaux éléments chimiques que l'on peut effectivement transformer pour en arriver à notre technologie actuelle, je pense effectivement que tous ces éléments-là viennent de l'espace. Maintenant, il a fallu des intelligences qui ne sont pas forcément extraterrestres, qui sont terrestres, de l'homme, pour pouvoir utiliser les facultés de ces éléments à des fins de s'approprier un confort, etc., l'électricité, la lumière, etc. Donc, lorsque vous parlez des extraterrestres, pour moi, comment vous les identifiez ? Voilà, c'est ma question.
comment vous identifiez le qualificatif d'extraterrestre? Ben, je pense que c'est dans le mot, c'est tout ce qui ne vient pas de Terre. Si tu vois quelque chose qui arrive, qui est, j'ai pas tout rond, avec 10 pattes, une antenne sur la tête et un œil au milieu du ventre, tu vas te dire, bon, tiens, c'est bizarre. Par exemple, un avion, pour toi, c'est extraterrestre? Non, c'est forcément des créatures. Ah ben voilà, donc ça passe par ta culture. Non, mais là, parce on que est... t'as appris qu'il y avait des machines volantes, et qu'avant notre naissance, bah, ces machines volantes, elles n'existaient pas, etc., etc. C'est une évolution humaine. Mais ça passe quand même par la faculté de l'homme de donner un vocabulaire à quelque chose qui est quand même assez précis. Or là... Bah, il faut bien donner un vocabulaire à des gens qui ne seraient pas humains, qui ne viendraient pas de notre planète, et qui ne seraient pas des terriens, qui seraient des extras, qui ne seraient pas de notre planète. Il faut bien leur donner un nom à ces gens-là. Peut-être. C'est ça. Il y a aussi des animaux qui ne sont pas aussi de la planète, et alors tu vas leur donner un nom aussi, etc. etc. Quels sont les animaux qui ne sont pas de notre planète? Ben, j'en sais rien. Vous êtes en train d'imaginer. Écoute, donc... Gérard, tu nous embêtes. Un extraterrestre, c'est quelqu'un. Ben oui, c'est quelqu'un qui n'est pas. Il faut bien donner un nom à ceux qui seraient. Qui... Tu non, les appelles des envahisseurs, exemple, ce que tu veux. Mais voilà, un extraterrestre. Non, le nombre de messages qu'on a entendus depuis des années. J'ai vu des extraterrestres. Alors, moi, je veux bien, mais... Il y en a aussi qui voient la lumière et tu veux pas y croire. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, c'est pas ça. C'est qu'un bal de carnaval, je vois aussi des extraterrestres. Oui, mais moi, j'en avais vu aussi qui étaient déguisés devant chez moi, qui n'étaient pas des extraterrestres, qui étaient des terrestres déguisés en extraterrestres. Oui. Mais il y a tellement de choses... Mais tu vois, tu le fais pas exprès. Tu dis déguisés en extraterrestres, mais les extraterrestres, t'en as jamais vu. Non, mais moi, j'ai jamais dit que j'en avais vu. Mais par contre, tu dis qu'ils étaient déguisés en extraterrestres. Bah, ils sont donc, déguisés. Quel est ton support? C'est un support culturel. Bah, c'est leur support à eux, je veux non, dire. Non, c'est toi qui t'exprime. Écoute, Gérard, on n'est pas. Tu peux quand même admettre que ça puisse exister d'autres j'ai habitants pas que notre planète. Je n'ai pas dit le contraire. Bon, maintenant, si tu. Je n'ai pas dit le contraire. Je ne dis pas. Alors le maintenant, contraire. Tu inventes un autre mot qui te plairait mieux, mais il faut bien les dire. Non, mais comment définir ce qui est extra? Terrestre. C'est pas compliqué. Comment le définir? Comment définir une vie extraterrestre? Pour nous, je dis bien avec toute humilité, petit terrestre que je suis, comment définir la vie extraterrestre? Voilà, c'est ma question. Bon, Olivier, vous avez une réponse? Oui, non, mais je suis complètement Gérard qui se place sur un plan... Je suis tout à fait prêt à réfléchir avec lui à ce concept-là. Il a raison en soi, c'est vrai. Nous évoquons des choses que nous sommes absolument incapables de jusqu'à concevoir. Donc c'est par analogie c'est ça. Que nous allons raisonner. Absolument. Et on va simplement se dire, nous sommes une espèce vivante sur une planète donnée. Oui. Est-il possible qu'une espèce vivante sur une autre planète puisse exister, et si oui, oui. peut-elle entrer en relation avec nous? C'est oui. à peu près tout ce que nous pouvons en dire. Absolument, mais quant à la rencontre du troisième type, qu'est-ce qui nous prouve, alors GEPAN ou pas GEPAN, qu'est-ce qui prouve au GEPAN que la personne, alors d'une part, n'a pas été contactée, ou qu'elle a été contactée par quelque chose qui vient de l'espace? Comment sur quels critères il se base le GEPAN? Le GEPAN a une grille d'analyse des phénomènes qu'on appelle OVNI, objets volants non identifiés. Oui. Lui, il les appelle autrement. D'ailleurs, il les appelle les PAN, les phénomènes aériens non identifiés. Oui. Bien. Et sa grille d'analyse consiste à les classer selon un système de lettres A, B, C, D, à travers lequel il arrive à identifier l'origine de l'OVNI en question ou du PAN en question. D'accord. Par une série d'analogies, de recoupements... Et de connaissances humaines. Et de connaissances humaines. On est d'accord. Lorsque,
Et lorsque l'ensemble des éléments rassemblés, les données qui sont portées à sa connaissance, ne semblent rentrer dans aucune des catégories terrestres connues, il les dénomme, il les classe parmi les phénomènes D, hein, la lettre D, et son analyse s'arrête là, en disant simplement « il nous est impossible d'aller plus loin dans l'analyse qui nous permettrait de connaître l'origine de ce phénomène ». Voilà, voilà à peu près jusqu'où va l'analyse du GEPAN, et à partir de là, tout ce qui est phénomène classé dans la catégorie D est réputé ne pas avoir d'origine terrestre. Et à partir de ce moment-là, toutes les supputations sont permises. Eh bien, au moins, je vous remercie, Olivier, parce que vous avez été clair dans votre réponse. Ah ben, je vous remercie. Bon, je vous laisse, Joël, parce que je crois qu'elle trépigne et que je l'ennuie. À moins qu'elle soit au téléphone. Joël, elle est partie en train de rechercher quelque chose sur Internet, peut-être. Voilà. Non, je suis hors antenne et il y a Didier qui voudrait prendre ta place, Gérard. Parce d'accord, que et bien, je m'efface et encore merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Alors, Didier qui va arriver, puis Liberté après, parce que j'explique qu'on n'a que deux lignes ce soir. Donc Didier qui voulait revenir sur ces phénomènes, je pense, d'extraterrestres. Didier, t'es à l'antenne. Ouais. Allô. Oui, tu es à l'antenne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et donc, je disais, oui, non, en fait, oui, je suis obligé de revenir parce que, bon, la conversation, elle s'est continuée depuis. Mais, en fait, pour répondre à Gérard, tout simplement, c'est vrai, maintenant, ce qu'il dit, mais à mon avis, puisque j'écoute beaucoup de... je me passionne de ça, en fait, on est tous des extraterrestres à la base. On est des poussières d'étoiles. Voilà, c'est pour moi qu'il l'ai dit, c'est des scientifiques et c'est alors, les poussières d'étoiles, c'est joli en même temps, mais on est des poussières d'étoiles. Donc, on est tous des extraterrestres. La Terre elle-même, extraterrestre, puisque, elle s'est créée d'une certaine manière. Hein. Alors, après, tout s'est construit après autour de ça. Hein. Oui, je vois pas où est le problème, moi. Oui, mais là... c'est plus compliqué, oui, c'est vrai. Dire que la Terre est extraterrestre, là, c'est pousser le paradoxe quand même très loin. Ah oui. Tous les composants de l'univers, c'est vrai, sont constitués par les restants, les résidus d'étoiles explosées. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi on se pose des questions, parce que tout vient de la même naissance, quoi, en fait, c'est tout, puis voilà. Sauf c'est que le film, il ne s'est pas fait dans le même... c'est un film, en fait, hein, voilà. On peut reprendre le film à l'envers, puis c'est tout. Oui. Enfin bon, moi, c'est mon... C'est un peu grossier comme... voilà, mais bon, c'est ça, oui. Bon, d'accord, on est tous des poussières d'étoiles, on est tous des extraterrestres, mais en tous les cas, on se reconnaît comme étant des terriens. Si je te vois, je me dirais pas, tiens, c'est un extraterrestre. Tu vois, je me dirais, tiens, c'est Didier. Voilà, je veux dire, comme le dit Gérard, l'extraterrestre, on sait pas qui c'est. Si ça se trouve, on en a parmi nous, en plus. Hein. Non, mais c'est intéressant comme sujet. Mais par contre, oui, il peut y avoir... d'autres vies, d'autres manières de vivre, d'autres, ouais, donc là nous on les appelle extraterrestres par rapport à nous parce qu'on est en décalage par rapport à cette vie là ou cette manière de vie, je sais pas comment on peut l'appeler d'ailleurs, et voilà, mais ça peut exister, ouais, moi j'y crois, ouais, pourquoi pas, vu qu'on a une poussière dans l'univers et puis vu qu'il y a plusieurs univers, ça se pourrait facilement, ouais, il y a plusieurs soleils, il y a plusieurs trucs, pourquoi pas. Est-ce que t'en as peur des extraterrestres, toi, Didier? Bon, non, pas du tout. Non, parce que je pense pas, parce que s'il fallait en avoir peur, ça ferait déjà longtemps, s'ils voulaient, que ça serait réglé, à notre avis. Vu la technologie soi-disant qu'ils ont, si on y croit, vu la technologie qu'ils ont, bah, s'ils voulaient vraiment nous faire du mal, ça ferait longtemps que ça serait réglé. À moins qu'ils se servent de nous? Non, ils ne servent pas de nous, peut-être qu'ils observent, ou peut-être, je sais pas. À moins qu'ils se servent de nous pour extraire les mines d'or, hein, Olivier. Non. Moi, je suppose, non. Non. Ils font leur vie. Non, là, je sais pas, il n'y a pas de... Moi, c'est vrai que c'est intéressant comme question, mais... À moins que ça leur esclave. Moi, ce que je pense surtout, c'est que s'ils voulaient vraiment... S'ils existent, puis s'ils voulaient vraiment nous embêter, bah, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps, puisqu'ils ont une supériorité...
garantie, d'après tout ce qu'on dit, par rapport à nous. Donc, voilà, ça serait vite réglé. Donc s'ils ne le font pas, c'est qu'ils n'ont pas envie, ou c'est pas le moment, ou ils ont besoin de faire autre chose. Voilà. Je sais pas. Voilà. Mais apparemment, ils ne nous veulent pas de mal. Enfin, pour l'instant. Bon. Ils ont continué comme, je sais pas. Voilà, ouais. Bon, ça va, ouais. Réponse, non, c'est bon, c'est bon. On te remercie. C'est ma réponse, hein, bon. Ouais, ouais. Et voilà, moi je trouve que c'est, bon, c'est un truc. Moi je trouve que c'est bien, moi. C'est la vie, ça. La vie, c'est qu'il y a du monde partout, c'est bien, c'est ça la vie. Mais pour moi, je suis croyant en même temps, hein, parce que ça veut rien dire, ça. Hein. Mais voilà, il y a une vie, la vie, c'est pour tout le monde. Nous, on se croit, nous, mais pourquoi que nous? Bien, c'est égoïste. Mais pourquoi que nous? Bon, ben, merci en tout cas, voilà. Didier. Ben voilà, ben, je vous écoute. Hein. D'accord. Et bonne soirée. Merci à toi. Merci, au revoir. Alors, on va voir ce qui est là. Je prends un risque là. Oh. Oui. Bonsoir. Bonjour. Alors, j'ai quelqu'un. Oui, allô? Oui, et j'ai toujours Olivier. Oui, oui. Bon, j'ai pas perdu Olivier. Et qui est-ce qui arrive à l'antenne, là? Bonjour, Joël, c'est Monde. Monde, alors. Bonjour, Olivier. Bonjour. Écoutez, j'ai. Bon, là, alors j'écoutais dans Paris, j'entendais très bien. Et là, maintenant que je suis à Vincennes, j'entends pas la radio. Donc voilà, j'ai éteint. Dites-moi, vous avez parlé de Nibiru tout à l'heure. Oui. Oui. Et moi, j'ai vu dans plusieurs, parce que vous disiez aussi, au niveau des Anunnaki, qu'on n'aurait pas retrouvé leurs traces, qu'on n'aurait pas... déjà, si vous regardez sur Internet, il y a un nombre, ce qui est bizarre, c'est que partout dans le monde, on retrouve soi-disant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne suis pas... on retrouve des géants. Des ossements de géants. Si vous faites allusion aux photos qui circulent sur Internet... Oui. Des photos de squelettes immenses. Exactement. Alors, ça, il faut que vous sachiez que ce sont ce qu'on appelle en anglais des fakes. Hein, des fakes. Des images complètement travaillées qui sont absolument fausses. Très bien. Et alors, on a vu par contre, par rapport à Nibiru, on a vu par contre donc cette planète au moment où elle est arrivée, effectivement elle tourne autour du Soleil en ellipse en 3600 ans, je crois. Oui. Notre planète avant d'être percutée s'appelait Tiamat. Mm-hmm. Et elle aurait été percutée par la Lune, par notre Lune au jour d'aujourd'hui. La ceinture de Kepler. Ce n'est pas ce que disent les épopées sumériennes, mais pourquoi pas, hein. C'est pas du tout ce que dit les épopées. Je crois que c'est dans la Bible que ça se dit, ça, je crois. Ah bon? Il y a un truc, je me rappelle plus où je t'ai lu, et elle aurait percuté donc notre planète, et la ceinture de Kepler, en réalité, c'est des morceaux de notre planète qui auraient été arrachés et qui auraient formé la ceinture de Kepler après. Ah, ce n'est pas la ceinture de Kepler, hein, c'est ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. D'astéroïdes, pardon. Voilà. Et ben, ça existe aussi la ceinture de Kuiper, mais c'est pas exactement la même chose. C'est pas la même chose, exactement. Mmh. Je suis désolé. Mais non, pour vous, la Lune ne serait pas une Lune de Nibiru. vous savez, moi, je m'en tiens simplement au travail de Sitchin, dont je suis vraiment le modeste traducteur. Donc, je ne connais que la nature de ses travaux. Et ce qui est clair, c'est que les textes sur lesquels il s'appuie ne font pas du tout état d'une lune terrestre qui aurait percuté la Terre à l'époque sous le nom de Tiamat. Et selon la mythologie sumérienne, c'est un satellite de Nibiru qui serait venu frapper ce qui s'appelait à l'époque Tiamat, enfin, pour les justement, ce serait notre Lune, en réalité, qui serait le satellite des Nibiru. Ça n'est pas ce que dit Sitchin, ni ce que disent les textes en question. Ah bon. Et comment en leur temps, si on regarde, parce que ça m'intéresse vraiment, je suis tout le temps
Enfin, quand j'ai pas de cours, je suis chauffeur de taxi dans Paris, je suis tout le temps sur Internet, donc je suis tout le temps en train de regarder. Comment pouvait-il savoir, avoir connaissance de tout ça? Et comment on ne retrouve pas la trace de cette civilisation donc, qui nous a créé vraisemblablement? Comment on ne retrouve pas la trace de ces gens-là? Ouais, c'est une bonne question, mais si on suit les travaux de Sitchin, on en trouve la trace en permanence. Quand vous dites trouver la trace de ces gens-là. De ces gens-là, c'est-à-dire la trace physique, c'est-à-dire des ossements, des choses comme ça. On ne retrouve rien, à part les gravures, les ailes déployées au niveau du dos, enfin bref, des trucs comme ça. Il n'y a rien d'autre. Oui, des figures allégoriques, oui. Exactement. Mmh. Bien, écoutez, on l'a un peu évoqué précédemment. Il semblerait que, d'abord, s'il y a eu véritablement présence de ces Anunnaki, j'ai toujours du mal à les nommer. Est-ce que ce sont des humains? Est-ce que ce ne sont pas des humains? Comment les qualifier? Je n'en sais rien. En tout cas, si l'on s'en tient aux Anunnaki proprement dit, il semblerait qu'il n'ait eu aucune raison de connaître une fin de vie terrestre. Donc, il n'y a aucune raison de retrouver des tombes ou des ossements ou des restes directement liés à leur personnalité. Mais vous avez bien dit qu'ils se battaient entre eux déjà. Ils s'entretuaient même. Oui, enfin, s'entretuer est un grand mot. Hein. C'est vrai que dans Guerre des Hommes et Guerre des Dieux, il est fait état de leurs antagonismes permanents, mais à ma connaissance, je n'ai pas le souvenir de batailles. En tout cas, s'ils se battaient, c'était sur le sol terrestre, c'était par intermédiaire d'armées humaines, et eux-mêmes, je n'ai pas le souvenir d'armées qui se seraient opposées sur le sol terrestre. En tout cas, si l'on veut bien partager l'analyse de Sitchin, et à cette condition-là, parce qu'encore une fois, moi je ne soutiens rien, hein, je suis comme vous, je suis un témoin curieux de tout ce que Zecharia Sitchin a pu produire et expliquer et penser. À ma connaissance, ils n'avaient aucune raison de garder leurs dépouilles après la mort sur Terre. Et ils avaient tous les moyens, en tout cas, de les évacuer. D'accord. Et comment dire, vous avez parlé de la Mésopotamie, hein, que pensez-vous de ce que vous trouvez les Américains dans les musées de Saddam Hussein, notamment les piles électriques remontant à 6000 ans ou 7000 ans en arrière? Vous en avez entendu parler de ça aussi? C'est très vieux, oui, bien sûr, j'en ai entendu parler. Il ne semble pas d'ailleurs que ce soit en relation particulière avec ce dont on... Ah, on l'a perdu, mais c'est normal, ça fait 3 heures qu'il est à l'antenne. Ah, le pauvre. Ouais, ben oui, parce qu'il n'est pas à l'antenne. Il va revenir. Oui, on dit aussi qu'ils ont bien pillé les musées de Bagdad. Ils ont trouvé, à ce qui paraît, de très très belles pièces. Et ils ont trouvé aussi toutes les tablettes sumériennes hein, qui contiennent justement l'origine de l'humanité. Ils auraient trouvé un artefact beaucoup plus gros que ça que Saddam Hussein aurait récupéré. Mais bon, si je quitte Joël le truc, tu poseras la question. Et pour Zecharia Sitchin, Nibiru doit revenir quand? 2100, quelque chose comme ça, parce qu'elle passe. Elle passe tous les 3000 ans, 3600 ans. Ouais, mais 2100, quelque chose. Ah ouais, c'est pas qu'elle va cogner la Terre, c'est que comme elle est grosse, ça fait 4-5 fois. Elle va passer à côté, ouais. Elle fait 4-5 fois la Terre, ça fait des perturbations. Donc, il va sûrement revenir, Olivier, et son téléphone doit être déchargé. Donc, on va faire une pause, hein, et puis tu reviens plus tard si tu veux. Et, ouais, bien, Joël. Et moi, ça me permet de faire une pause aussi. Attends. C'est lui qui revient. Est-ce que c'est Olivier qui revient alors?
Oui, je crois qu'on a été coupé. Hein. Oui, bah c'est un peu normal, ça faisait 3 heures que vous étiez à l'antenne, donc même sur les box, au bout d'un certain temps, c'est de l'illimité, mais on nous coupe. Hein. Donc, donc, ce que posait comme question Mohand, c'est dans combien de temps revient cette fameuse Nibiru? Bon, alors oui, je crois que j'étais en train de pérorer tout seul dans mon coin sur la fameuse pile de Bagdad, là. Oui. Donc ça, c'est... Je sais pas jusqu'où vous m'avez entendu, mais enfin, bon, bref, ça n'a pas d'importance. Oui, sur la question du retour, bah, c'est l'éternelle question. On l'a évoqué tout à l'heure avec Joël. À 21h. Comme on n'a pas vraiment le repère, tout ce qu'on sait, que si cette planète existe, elle revient tous les 3600 ans dans les parages du Soleil. Le seul problème, c'est qu'on n'a aucune idée de la date de son dernier passage. Alors, dans un de ses livres, Sitchin, à la suite d'un raisonnement dont je vous fais grâce et que je serais moi-même incapable de le reprendre tellement c'était complexe, pense que raisonnablement, on ne peut pas s'attendre à un retour dans les parages du Soleil de Nibiru avant à l'année 2100 ou 2150 ou quelque chose comme ça. Donc, de notre vivant, on ne le verra pas, ce qui ne veut pas dire que la planète en question ne soit pas repérée bien avant par les astrophysiciens, parce qu'à un moment donné, elle sera suffisamment proche, malgré tout, pour entrer dans le champ de surveillance de nos télescopes. Donc, la Nibiru, c'est la planète des Anunnaki. Et comment on peut parler de forte chaleur? Ben, je t'entendais, Joël, tout à l'heure parler, oui, la chaleur décuplée, enfin bref. Et ils vivent là-dedans, ils vivent dans un volcan, ils vivent. On sait que à partir d'un certain nombre de d'années-lumière, enfin de kilomètres, je sais pas comment vous dire ça. Même l'atmosphère gèle et tombe, donc ils n'ont pas d'atmosphère. Et comment ils peuvent vivre sans atmosphère? Alors, plusieurs aspects. C'est une question importante et c'est une de celles que j'avais posées parmi les premières à Zekaria Sitchin lorsque je l'avais rencontré. Sur le plan de l'atmosphère, non, bien entendu, une planète, quand bien même serait-elle éloignée d'une quelconque étoile, est tout à fait à même de conserver une atmosphère. C'est ouais, pas mais à moins de 270, l'atmosphère tombe. Mais ils n'ont peut-être pas les mêmes poumons. Pourquoi voulez-vous qu'elle tombe? Bah, l'atmosphère, c'est-à-dire un exemple, la planète Terre qui dépasserait notre système solaire, je crois que c'est moins 170 degrés, l'atmosphère gèle et tombe. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, la Terre, elle est dans un vide cosmique actuellement. Ça n'est pas la chaleur du Soleil qui génère l'atmosphère. L'atmosphère de la Terre est générée par la Terre elle-même, par ses éruptions, par la biologie à sa surface. Elle respire, on peut dire qu'elle respire. Mais la Terre elle-même, dans l'espace, à partir du moment où vous avez quitté l'atmosphère, justement, vous êtes dans un état de vide relatif extrêmement froid. Donc, c'est pas le froid qui peut faire obstacle à l'existence d'une atmosphère. D'accord. Ce qui m'avait beaucoup troublé à l'époque où j'avais rencontré Sitchin, c'était d'imaginer comment une vie, et qui plus est, une vie sensible, d'apparence humaine, pouvait résister sur une planète qui était aussi éloignée d'une étoile. Donc, à la surface de laquelle, et là vous avez raison, à la surface de laquelle devait régner un froid intense. Atmosphère ou pas atmosphère d'ailleurs, hein, il n'y a pas de relation. Bon, une atmosphère peut être très froide. Mais en revanche, comment une vie peut-elle se maintenir à la surface d'une planète privée d'étoiles? De soleil, alors, en l'occurrence. Oui, d'étoiles. Et donc, la réponse de Sitchin avait été, il est vraisemblable que cette vie s'est développée sous la surface de la planète, alors non pas dans un volcan intérieur, mais vraisemblablement dans une structure
de cavités, de creux. On parlait de planètes semi-creuses à un moment donné, à partir de laquelle le foyer central, le noyau central de la planète, pouvait prodiguer chaleur et lumière. Bon, j'avoue véritablement que je suis toujours resté un peu gêné par une explication de ce type-là. Ouais, mais dans ces cas-là, il serait pas nombreux dans ces cas-là, même si la planète Nibiru fait cinq fois les Anunnaki, ça serait, il serait une poignée par rapport à nous humains. Non, pourquoi? Vous pouvez très bien avoir une sphère en partie creuse qui abrite une population extraordinairement grande. Je ne vois pas le. Parce que vous imaginez que c'est un petit trou peut-être ou une petite cavité. Non, c'est la planète est constituée de telle sorte que la vie ait pu se développer à l'intérieur de l'écorce terrestre et non pas à l'extérieur. Mais cela dit, vous êtes là ? Non, je pense qu'il a raccroché Morande, parce que le problème, c'est qu'il est dans un taxi et il a raccroché. Mais vous pouvez lui répondre, il doit nous entendre. Ce sont des questions importantes, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de réponses à ça. Et en tout cas, sur ce plan-là, il est vrai que c'est un des points faibles récurrents de la thèse de Sitchin, puisque les textes eux-mêmes ne disent rien, véritablement rien, de la vie sur Nibiru. Et ni de la conformation de la planète. On peut imaginer, on peut conjecturer, on peut essayer de comprendre comment une vie peut se maintenir sur une planète aussi éloignée que ça d'un soleil. J'ai rencontré des scientifiques qui me disent que rien n'est impossible, et à partir du moment où de la chaleur et de la lumière sont dispensées par un noyau central, après tout, on peut très bien imaginer une humanité qui vivrait à l'intérieur de l'écorce terrestre. Mais c'est pour nous, terriens qui vivons à l'extérieur de notre écorce terrestre, c'est difficile à imaginer. Oui, il y a la théorie de la Terre creuse, mais on n'en parlera pas. Mais quand vous dites que dans les textes, il n'y a rien, si, il y a quand même le fait que leur planète avait des problèmes d'atmosphère. Donc, oui, c'est tout. Bah, c'est tout ce que l'on sait. Et c'est très mince quand même, parce que d'abord, sa taille est le fruit d'une spéculation. Les textes disent effectivement qu'elle est très grande, mais comment vivait-il ? Comment peut-on vivre aussi éloigné que ça d'un soleil ? Moi, j'ai vraiment du mal à répondre à ce genre de questions. Je n'en sais rien et ça me gêne. Ça m'a toujours gêné depuis le début. Alors, Pascal, est-ce que tu es là ? Pascal ? Non, il est parti. Bon, bah, je ne sais pas ce qu'ils me font. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Liberté. Oui, Liberté, mais tu vois, tu as réussi à arriver. Donc, Liberté, tu es avec Olivier Magnan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ben, en fait, moi, j'ai écouté à partir de 2h du mat. Donc, je ne sais pas ce qui s'est dit précédemment. Mais je trouve vraiment très intéressant ce sujet. Parce qu'il est rempli de points d'interrogation. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et je vous ai entendu parler de la pile de Bagdad, que je pense beaucoup de gens ne connaissent pas, mais ça donne un aperçu au point d'interrogation en question. Maintenant, je voulais vous poser une question. D'après vous, quel âge ont les pyramides d'Égypte? Ah ben, desquels parlez-vous ? À Gizeh, par exemple. Alors, moi, je me réfère toujours, bien sûr, en tant que modeste traducteur de Zecharia Sitchin, aux thèses, je ne sais pas, est-ce que vous le connaissez ? J'ai entendu ces théories, qui sont fort intéressantes. Donc, je ne me réfère qu'à ça, hein. je n'ai pas de connaissances. Outre, donc, selon lui, quel âge ont les pyramides en fait ? Eh bien,
pour être très précis, les pyramides de Gizeh, c'est-à-dire la grande pyramide et, les deux ou trois pyramides satellites autour de lui. Moi, j'ai... Non, pardon, je vous ai coupé. Sont d'une très grande antiquité. J'étais en train de regarder sur mes notes si j'avais entre 10 et 12 000 ans, par exemple. Oui, quelque chose comme ça. En tout cas, contemporaine de la dernière génération des Anunnaki sur Terre. Effectivement. Et on est censé avoir découvert l'électricité en quelle année? Ah ben là, on est... L'électricité industrielle, celle qu'on utilise... Nikola Tesla, je pense. Bien avant. Un peu avant quand même. Mm-hmm. On tourne quoi? On tourne autour du 19e siècle, fin du 19e siècle. Mm-hmm. D'accord. Donc justement, à partir de ça, vous trouvez dans les pyramides, si ce n'est leur architecture qui est quasiment... on ne peut pas faire de réplique aujourd'hui parfaite, parce que ce n'était pas sur les centimètres, c'était sur du millimètre. Et justement, quand on regarde l'intérieur de ces pyramides et on voit toutes ces fresques, tous ces hiéroglyphes, tous ces beaux dessins qu'on nous a laissés, mmh. Et qu'on constate qu'il n'y a aucune trace dessus. Il n'y a, aucune oui. trace qui prouverait qu'ils utilisaient, par exemple, si on devrait croire certaines théories, ils utilisaient un bâton avec du feu quoi, au bout. Oui, mais on constate que... Pardon, mais on constate dans les pyramides qu'il y a strictement rien sur les plafonds. Les plafonds sont oui. nets, quoi, sont propres. Oui. Et pourtant, les pyramides sont dans le noir. Oui, oui, c'est une des... immense énigme opposée aux archéologues modernes qui n'ont pas de réponse satisfaisante. Ouais, pour certains archéologues, en fait, dans le milieu de l'archéologie, l'ufologie ne fait pas du tout bon ménage. Non, tout ce qui s'en rapporte. C'est certain, oui. Mais je pense que les archéologues sont bien au courant, comme disait, je ne sais plus son nom, le taxi, Mande. Mande, oui. Il disait qu'ils avaient trouvé des artefacts. Et par exemple, on a retrouvé des masques, je ne sais pas si c'était à l'époque des Mayas ou quelque chose par là, ou avant encore, les Sumériens, des masques qui étaient faits d'or et d'argent. Or, il est prouvé qu'il faut chauffer ces matières à une certaine température pour obtenir ce qu'on obtenait sur les masques. Mmh. Et justement, il disait que c'est improbable, quoi. Mais pourtant, les faits sont là. C'est comme dans la pyramide. Je vous mets au défi, moi, de dessiner des fraises comme ça dans le noir. Donc, pour un esprit minimum, avec un minimum d'intelligence, il y a forcément une source lumineuse qui a été utilisée. Et je vous rejoins. Hein. C'est le genre d'interrogation qui n'a pas de réponse et que l'archéologie moderne ne résout pas. Vous avez parfaitement raison. Et c'est un peu comme le rôle qu'on essaye de donner aux pyramides, comme quoi c'est des tombeaux. Ça, on le... Or, il est clair que les pyramides n'ont jamais été des tombeaux. Voilà, moi, je pense plutôt, comme j'ai vu, parce que c'était très bien expliqué, c'était vraiment avec preuve à l'appui, que c'était des genres de centrales qui tiraient l'énergie soit du cosmos ou je ne sais où, par exemple l'énergie qu'il y a tout autour de nous, que les scientifiques connaissent. Et moi, je serais plus pour la thèse qu'ils utilisaient une énergie qu'on devrait utiliser aujourd'hui, d'ailleurs, et à laquelle on n'a pas accès, justement. Oui, c'est là aussi de la spéculation que je suis tout à fait prêt à partager, mais sur lesquelles je n'ai aucune information d'aucune sorte. En revanche, je vous rejoins complètement, les pyramides n'ont jamais été des tombeaux, et donc leur formidable taille et les moyens développés pour les construire posent vraiment question et montrent à quel point on est là dans un univers qui nous dépasse d'une part et qui est vraisemblablement répondait à des motivations qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on peut imaginer de ce qui pouvait agiter les habitants de cette région à cette époque-là.
Donc, complètement. Effectivement, d'une part, l'ancienneté des pyramides de Gizeh est très vraisemblablement bien, bien supérieure à celle qu'on a pu imaginer. C'est vraisemblablement plutôt de cet ordre-là. Leur destination pose aussi une question fondamentale à laquelle personne n'a répondu. Et en tout cas, la seule certitude qu'on ait, et elle est négative, c'est que ce n'était pas des tombeaux. Alors, il y a Gérard qui demandait, par un jeu de miroir, est-ce qu'on pourrait pas arriver à... Un jeu de miroir, c'est... je ne vois pas. Alors, je ne suis pas du tout scientifique ni technicien, donc j'imagine très très mal comment, par un jeu de miroir, on aurait pu apporter un flux lumineux suffisant à de telles distances. Ah, parce que c'est bien sous terre, quand même. Il y a aussi un autre point très intéressant, c'est que ces pyramides, justement, elles étaient... je ne sais pas comment expliquer ça. Elles étaient centrées sur la constellation d'Orion. Et de Sirius. Et de Sirius, parfaitement... parfaitement, comment je pourrais dire ça, parfaitement attaché, relié, on peut dire. Au quoi À Sirius et à Orion, en fonction de la chambre du roi et de la chambre de la reine. Oui. On a aussi calculé des choses pareilles, effectivement. Telle précision, il aurait été obligatoire, si ce n'est forcé, d'avoir justement connaissance. Comment vous expliquez ça? En fait, il aurait fallu être dans l'espace, avoir conscience de cette constellation, par exemple d'Orion, pour pouvoir ensuite venir sur Terre et la caler à cette constellation. Sinon, comment sur Terre, avec soi-disant, bon, à cet âge, on était censé être les hommes de Cro-Magnon ou je ne sais quoi. Comment ça aurait pu être possible, sachant qu'il y a tellement d'artefacts qui sont ce qu'on appelle l'archéologie interdite, d'ailleurs, oui. Qui sont tellement... on n'a pas d'explication, mais moi, je ne vais pas dire qu'on n'a pas d'explication. Je préfère dire qu'on a des explications, mais on n'ose pas, en fait, les mettre en avant. C'est comme s'il y avait une interdiction d'imaginer ou d'oser avoir une éventualité que ça puisse venir d'être spirituellement avancé ou d'autres civilisations bien plus avancées que la nôtre. À part ça, honnêtement, par rapport en tout cas aussi aux artefacts qu'ils ont trouvés et puis qu'on ne voit pas d'ailleurs, que j'ai jamais vu à la télé, mais qu'il faut chercher, il faut gratter sur Internet. On a vraiment beaucoup de points d'interrogation, quoi. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est un mystère formidable qui reste là devant nous, avec des explications vraiment rudimentaires de la part des égyptologues qui ne veulent absolument pas concevoir que les pyramides en question ont une antériorité bien plus grande que celle qu'on veut bien nous servir. On a donné des noms à ces pyramides, pyramide de Khéops, pyramide de Mykérinos, donc des dynasties de rois connues et datées, alors que nous n'avons strictement aucune preuve d'aucune sorte que ces pyramides aient jamais été bâties par les rois en question. On aurait même plutôt les preuves contraires. C'est-à-dire que ces pyramides n'ont en aucun cas pu être construites par les rois en question. Alors, il y a aussi... Avant que j'oublie, pardon Joël, vas-y. Parce que sinon je vais oublier, il y a les Sumériens, qui, je pense que là c'était les Sumériens, qui ont désigné certaines planètes qui nous entouraient de notre système, solaire, tout en détaillant leurs couleurs, en disant par exemple qu'un tel était verte, mais avec d'autres noms, un vert scintillante, un tel était de telle couleur, un tel était placé à tel endroit. Or, il s'est avéré que c'est de 1900 et quelques, ou plus proche de nos années, là, qu'on a découvert ça. Mmh. Ils ont découvert que c'était... ça veut dire que ces gens-là, ils avaient un savoir. Et c'est pareil, comment on peut décrire des planètes qui sont à tant
tant de distance sans avoir aucun instrument pour les voir, si ce n'est pouvoir se déplacer. Pouvoir se déplacer, je sais pas comment expliquer, c'est comme s'ils ont pris des genres de vaisseaux, qu'ils ont été se balader, puis qu'ils ont visualisé ça et qu'ils sont revenus le retranscrire. C'est pas comme si, c'est ce qui est dit dans les tablettes sumériennes. Voilà, en fait, oui. C'est... Mais pour en revenir aux pyramides, Sitsin, il parle quand même que les pyramides, il n'y en aurait pas que sur la Terre, il y en aurait aussi quelques-unes sur Mars, je me souviens bien. Encore une fois, dans le domaine de la spéculation, c'est vrai que on a cru voir des constructions pyramidales sur Mars, d'ailleurs fantastiquement grandes par rapport à ce qu'on connaît sur Terre. On en est là de la spéculation, puisque d'aucuns nous expliquent que ce sont des conditions d'éclairage qui pourraient laisser penser qu'il s'agit de formations pyramidales ou pas. Là aussi, je suis tout comme vous, je suis attentif, je regarde les informations qui peuvent passer dans les livres sur Internet. Je suis extrêmement surpris, parfois abasourdi, par ce que je peux découvrir et pour lesquels on n'a aucune explication. Et pour mais qu'est-ce qu'on fait des astronautes qui sont revenus et qui, à leur retraite, se sont mis à déclarer beaucoup de choses très intéressantes, du style, à chaque fois qu'il y a eu des missions pour aller sur la Lune ou dans l'espace, toutes ces missions ont été accompagnées par de mystérieuses lumières, ou d'autres qui disaient que s'ils étaient libres de révéler ce qu'ils ont vu dans l'espace, le monde serait stupéfait. Oui. Écoutez, vous savez, tout ça, c'est véhiculé, que ce soit sur Internet ou dans les livres. Et j'y suis attentif, tout comme vous, prêt même à partager votre surprise et votre intérêt pour ces questions-là. Malheureusement, nous sommes très très loin de la source de ces informations. C'est vrai. Certaines informations sont complètement inventées, sont complètement manipulées, et il est très difficile de faire le tri entre tout ça. On a des informations contradictoires, on a des sources qui disent une chose et son contraire, donc moi, en tant que journaliste basique, je reste toujours très très prudent par rapport à ce genre d'informations. Il n'empêche que je suis persuadé qu'autour de nous, des énigmes à n'en plus finir nous questionnent sans cesse, et la plupart du temps, ceux qui sont censés nous donner des réponses, le milieu scientifique, n'apporte pas de réponses satisfaisantes, ou alors des réponses qui sont fabriquées. Vous disiez tout à l'heure, vous faisiez allusion à... Et vous avez parfaitement raison, on ne l'a pas évoqué dans l'émission tout à l'heure avec Joël, mais c'est un des détails qui est quand même absolument frappant, c'est que lorsque une sonde a pour la première fois photographié la planète Uranus, ça a fait la une de tous les journaux, tous les journaux télévisés sont partis sur cette information. Et je me souviens moi-même du journaliste qui expliquait que cette planète, dans les tonalités verdâtres, vert bleu, etc., en parlant d'Uranus, puisqu'on n'avait on l'avait pas du tout vu encore d'aussi près. Sitchin, avec lequel j'étais en relation étroite à l'époque, m'avait faxé immédiatement un message à travers lequel il me disait j'ai fait un bond sur mon fauteuil en regardant ces informations à la télévision, puisque dans la description qui était donnée d'Uranus, je retrouvais très exactement la description que j'avais lue dans les textes de mythologie sumérienne. Il y avait Uranus, mais il y en avait pas mal d'autres. Il y avait ne serait-ce que les anneaux de Saturne qu'on pouvait pas voir à l'œil nu. Vous avez parfaitement raison. Nous n'avons pas de réponse de la part ni des astrophysiciens, ni des philosophes. Il y a une impasse réelle qui est faite là-dessus, et ça m'interpelle énormément. C'est pour ça que je reste toujours très attentif à ce genre de théorie, même si
j'essaie d'écrémer tout ce qui est ce bruit de fond, ce parasitage d'informations plus ou moins fondées qui nous arrivent de tous les côtés. Mais en tout cas, ce genre de choses, les pyramides, la connaissance qu'avaient les Sumériens anciens de notre système solaire dans son détail, eh bien, ce sont des questions fondamentales auxquelles la communauté scientifique n'a pas de réponse pour l'instant. Bah en tout cas, pour ma part, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas en restant sur la Terre. Par exemple, moi, je reste toute ma vie sur la Terre, sans avoir aucun instrument pour visualiser ce qui se passe là-haut, je serais incapable de vous dire comment sont ces planètes. Par contre, si j'avais un petit véhicule qui me permettait de me balader à droite à gauche, je pourrais aller à quelques kilomètres de ces planètes et revenir et décrire ce que j'ai vu. Mais maintenant, on a Google Earth. On voit tout ce qui se passe. Et j'ai entendu tout à l'heure Gérard Max qui parlait du nucléaire. Ça m'a fait penser à un article que j'avais vu sur Internet sur des militaires basés dans une... je sais plus comment ça s'appelle ça. Dans une base où étaient stockés des missiles nucléaires. Et ils ont décrit une nuit... d'ailleurs, ça s'est passé pendant, je crois, un peu plus d'une semaine, si ce n'est deux, des objets qui venaient régulièrement se placer juste en haut des missiles nucléaires. Et un beau jour, il s'est passé qu'il y a eu un objet qui est venu, pareil, lumineux, se placer en haut des missiles nucléaires et qui avait... moi, je dis que c'est l'objet parce que c'est ce que disait le monsieur. Hein. Il disait, en fait, que les missiles nucléaires ont été désactivés. C'était les silos. Et pendant que j'utilisais le missile, je pensais à un silo. Alors voilà, par exemple, voilà, c'est ça. Et ils disaient en fait qu'ils avaient été désactivés, mais pas désactivés comme on peut éteindre un bouton. Ils disaient que tous les paramètres de ces silos avaient été effacés et que ça prenait au moins 3 jours pour tout remettre. Finalement, lui, pour dire ce qu'il en avait constaté, c'est qu'il y a une certaine il y a une certaine autorité supérieure à nous qui est venue et j'explique ce qu'il a ressenti, hein, qui est venue et qui nous a dit attention, vous jouez avec du nucléaire, ça veut dire arrêter. Oui. J'ai lu les mêmes sources que les vôtres, effectivement. Après, ce qu'on peut en induire, là on est dans le domaine de l'interprétation, c'est tout à fait subjectif. Là où moi je marque ma limite personnelle en disant bon, oui, peut-être. Mais c'est vrai que sur ça il peut y avoir de la désinformation. En tout cas là-dessus, sur ce plan-là, les objets aperçus au-dessus de certains silos nucléaires, c'est une information vérifiée, c'est une information fiable. Ben, moi, je vais vous dire pourquoi je ne dis pas que ça vient, que ce soit des extraterrestres ou je ne sais pas ce que c'est, ce qu'il y a dedans, parce qu'apparemment, les humains, on l'aurait aussi. Donc, moi, pour ma part, il m'est déjà arrivé vers 2h30 du matin de voir une boule toute blanche, qui était à 100 mètres peut-être, 100 mètres au-dessus d'un immeuble. Et moi, j'ai fumé une clope et je me suis dit, je sais pas, ça m'a interpellé à l'intérieur de moi. Au début, j'ai pensé à la Lune et je sais pas, il y a un truc qui m'a dit, c'est peut-être pas la Lune. Et je me suis dit, je vais fumer une clope. Si jamais ce truc-là, il part avant que j'ai fini ma clope, c'est clair que c'est pas la Lune. Et malheureusement ou heureusement, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Ça a fait un nuage de fumée et plus rien. Donc, moi, maintenant, je sais qu'il existe des engins bizarres qui se baladent. Et par contre, je n'ai pas vu d'occupant, je n'ai rien vu du tout. J'ai vu une boule toute blanche, un petit voile de fumée devant la boule, et elle est partie vers le haut, mais d'une manière bizarre. C'est comme si elle s'effaçait, mais lentement, en fait. Oui. Je ne pourrais pas vraiment expliquer la manière dont elle est partie, parce que ça m'a... C'est comme si elle se dédoublait ou je sais pas, c'était bizarre. Mais il est clair qu'il y a des engins qui se baladent, hein. Ça c'est clair. Il y a peut-être personne à bord, hein. C'est peut-être comme des drones. Honnêtement, j'ai vu personne. J'ai rien vu du tout. J'ai juste vu une boule toute blanche qui est partie à la fin. Donc
Donc, c'est pour ça que je me dis maintenant, je comprends les témoins, les témoignages, je suis d'accord avec eux, ceux qui disent qu'ils ont aperçu des mystérieuses lumières de toutes les couleurs. Effectivement, je ne vais pas dire que c'est faux, puisque moi-même, j'en ai vu. Maintenant, après, c'est vrai que rentrer dans les théories, c'est des aliens, c'est ceci, c'est cela, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs planètes dans l'univers. La nôtre contient de la vie. Alors, je ne vois pas pourquoi, comme je disais à Joël tout à l'heure, on ne pourrait pas penser, ne serait-ce qu'à 1%, de se dire qu'il y a peut-être des choses dans d'autres planètes qu'on ne peut pas voir, peut-être, avec nos instruments encore d'aujourd'hui. Sur ce plan-là, les dernières statistiques élaborées par les astrophysiciens sont absolument claires. Il existe des milliards de planètes semblables à la Terre, et vraisemblablement des milliards de sites ouverts à la vie. Donc aujourd'hui, la vie extraterrestre ne fait plus aucun doute dans l'esprit de quiconque. Et comme on le disait tout à l'heure, là où il y a pierre d'achoppement entre les chercheurs, les ufologues et les tenants d'un contact extraterrestre et les scientifiques, se repose sur la capacité d'une intelligence quelconque à franchir les immenses distances qui séparent les planètes pour entrer en contact. Voilà, c'est le seul maintenant point de discorde entre le monde scientifique et les ufologues. Mais c'est un gros point. Oui, bien sûr. Mais j'ai aussi eu pas mal de témoignages de personnes qui, eux, apparemment, à leur dire, auraient eu des contacts, je cite un exemple, avec des Vénusiens, apparemment avec des Vénusiens. Et ils expliquaient à travers leurs contacts que ces Vénusiens, déjà, ils étaient vraiment spirituellement à l'opposé de nous. On pourrait comparer ça presque à des anges. Qui leur expliquaient en fait que sur Terre, vous faites n'importe quoi. Et puis que ça allait pas le faire, quoi. Qu'à la base, on devrait aussi se diriger vers un éveil spirituel. Mais en fait, c'est technique, parce que apparemment, ils expliquent aussi que eux n'ont pas vraiment de corps comme nous on l'entend. Ce serait plutôt un corps fait surtout d'énergie. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce que c'est là où on en revient à ce que disait Gérard tout à l'heure. Comment pouvoir identifier des extraterrestres si on pense qu'ils nous ressemblent? C'est peut-être des esprits, enfin des formes de matière donc on ne peut même pas définir. Déjà, quand on parle des anges, les anges ne sont pas faits de corps, les anges sont faits de lumière, sont faits justement d'énergie due à leur haute fréquence. Vous savez des choses. Moi, j'aimerais qu'on fasse une pause musicale. Vous savez des choses. J'aimerais qu'on fasse une pause. Pour moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une direction où il faut regarder, et actuellement, j'ai l'impression qu'on nous balance un peu de fumée, quoi. Pour justement ne pas diriger le regard là où il faut. Mais il est clair que la spiritualité, ça fait de mal à personne. Ça serait vraiment l'inverse, quoi. On ne sait pas si les Anunnakis étaient si spirituels que ça. On va faire une pause parce qu'on est là depuis quand même minuit. Je ne sais pas si Olivier a envie de poursuivre, si on continue. Ah ben je ne sais pas. Mais si vous tenez le choc, parce que là, je voudrais passer le déluge de l'épopée de Gilgamesh. Ça nous fera une pause de presque 13 minutes. Que tu coupes, j'avais entendu le monsieur avec qui je discute, pardon, je ne me rappelle pas du nom. Olivier Magnan. Désolé, monsieur Magnan. Je vous en prie. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un docu sur l'Arche de Noé, qui aurait été apparemment retrouvé en Turquie sur le mont Arara. Ils ont retrouvé l'Arche. Non, mais il faut regarder, c'est très intéressant. Oui, j'ai vu cette information également. Ils ont retrouvé l'Arche, là. Apparemment, des Chinois, ils ont réussi à rentrer dedans, prendre des photos, filmer. Un truc de fou, ça. Alors, ce que j'étais surpris, mais vraiment halluciné, déjà, l'Arche, c'est un bateau. Elle se trouve à 4300 mètres. Donc, à moins qu'on ait une énergie pour la faire monter là-haut, ou je ne sais pas ce que vous voulez, un avion, un hélicoptère, qu'est-ce qu'une marche fait là-haut, si ce n'est vraiment qu'il y a eu une montée des eaux, et puis à la descente, bim, elle s'est retrouvée sur le mont, et l'eau a continué à descendre.
Voilà. Et en fait, ce que les Chinois ont vu dedans, ce que j'ai vraiment halluciné, c'est qu'il y avait des râteliers et ils ont trouvé de la paille, en fait. Ils ont trouvé de la paille et ils ont. Ils n'ont pas trouvé des crottes aussi, des bouses. Non, mais tu peux regarder. Tu peux regarder. Non, mais ça semble un peu fou, attends. Non, tu peux regarder. Ah ben, je cherche, je cherche. Il y a des photos satellites. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être pas l'arche de Noé, mais il est clair que sur le mont Ararat, il y a une embarcation qui a été faite pour naviguer. Ça, c'est clair. J'ai vu ça également, oui, à l'époque. Là aussi, vous voyez, ça fait partie des informations qui nous sont servies à nous, que l'on ne peut pas vérifier. Et donc, il faut être prudent. Très très prudent sur l'interprétation qui est faite de tel reste. On a retrouvé aussi vous savez, à un moment donné, le tombeau du Christ, etc. Mm-hmm. Bon, versons ça dans notre banque de données et puis voyons comment les choses évoluent. Mais moi, en tant que journaliste, j'ai une énorme frustration par rapport à ces pléthores d'informations, c'est que je suis dans la capacité d'aller les vérifier sur place. Ouais, et donc, ça, jusqu'à preuve du contraire, je me méfie beaucoup, d'autant plus que nombre de ces informations se sont révélées être des faux. Tout à l'heure, on évoquait avec l'un des auditeurs ces images qui circulent sur le net qui montrent des squelettes de géants. J'ai vu ça, ouais. Bon, eh bien, il faut savoir que ce sont des faux, hein, ce sont des images qui ont été complètement fabriquées avec PowerPoint ou un autre logiciel. Et donc, il est très, très facile de créer de vraiment des images qui ne reflètent en rien la réalité. Ah, complètement. Et voilà, alors, lorsque vous me montrez une pyramide à Gizeh, là, je vous dis oui, il y a un grand mystère. Elle est là, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas la rater, la pyramide. Donc, mais voilà, et pour le reste, méfiance. Il peut y avoir des choses absolument extraordinaires découverte ou à découvrir, mais par pitié, soyons prudents parce qu'il est tellement facile d'abuser tout le monde sous prétexte qu'on peut manipuler telle ou telle image. Alors, il y a vraiment des explorateurs évangéliques qui auraient vraiment retrouvé l'Arche de Noé, mais bon, ça sera pas... On va faire une pause parce qu'on est quand même là depuis minuit et on se retrouvera tout de suite après. On va rester dans le sujet puisque je vous ai trouvé le déluge de l'épopée de Gilgamesh. Donc vous allez voir que ce déluge, il ressemble quand même pas mal à cette arche de Noé qui arrive après, hein, parce que c'est pas le même. Hein. On est d'accord, l'arche de Noé et le déluge de l'épopée de Gilgamesh, c'est pas exactement la même époque. Non, ça n'a rien à voir. C'est Gilgamesh. Hein, c'est Gilgamesh. Gilgamesh. Ok. Ben merci, Liberté. Merci à vous. Et on va se faire 12 minutes 53, presque 13 minutes de pause. Ok. À tout à l'heure. Merci. À plus. Bye. Merci. Alors, je garde en antenne Olivier et on va partir justement. À cette époque-là, et c'est parti. Et puis, les hommes étaient de plus en plus nombreux, étaient de plus en plus joyeux, étaient de plus en plus brailleurs, de joie, de colère, enfin tout y passait, tant qu'un jour, Enlil, le dieu de la terre et de l'air, qui avait un peu vieilli, a commencé à être agacé par le bruit des hommes. Ils étaient très nombreux. Ils se multipliaient et en plus, ils ne mouraient pas jeunes. En ce temps-là, ils vivaient 120 et 120 doubles années. Imaginez! Alors, il y en avait de partout. Eh bien, Enlil a décidé qu'il y en ait moins.
C'est ainsi qu'Enlil a décidé d'envoyer parmi les hommes épidémie. Et voilà, les maladies qui faisaient que les hommes et les femmes devinrent un peu moins nombreux, certes, un peu moins bruyants, certes, mais Ea, le dieu de la sagesse, n'était pas d'accord. Non. Ea avait le pouvoir de guérir. Alors le dieu mi-chèvre, mi-poisson, il a vaincu épidémie. Et les hommes se sont remis à faire du bruit. Et encore, et encore, et encore. Et Enlil était de plus en plus énervé. Voilà, maintenant, il leur a envoyé sécheresse et famine. Ah, là, comme ça, ils ne mangeraient plus rien et on n'en parlerait plus. Seulement, Ea, il a veillé. Ea, il a bruiné. Il a fait juste un peu d'humidité. Et les champs ont été opulents. Et le blé a très bien poussé. Et les hommes se sont remis à faire du bruit. Et Enlil n'en pouvait plus. Alors, ce jour-là, il a décidé quelque chose d'effrayant. Il a décidé de tous les noyer dans un déluge. Voilà. Il allait tous les noyer. Les hommes, les femmes, il n'en resterait plus un seul. D'ailleurs, tiens, il avait bien compris qu'un dieu les avait aidés avec épidémie ou avec sécheresse. Alors il a convoqué tous les dieux et il leur a demandé à tous de jurer qu'ils n'aideraient pas les hommes. Et tous ont juré. Ea, il a juré. Seulement, Ea, il n'a pas aidé un homme, non. Simplement, il est allé près de la demeure d'un homme. Utanapishtim, super sage. Cet homme vivait dans une maison tranquille, entourée d'un jardin. Il vivait avec son épouse et le jardin était entouré d'une palissade. Ce jour-là, cet homme était dans son jardin, au pied de sa palissade. Alors Ea, il est allé lui aussi au pied de la palissade, mais de l'autre côté. Et il a parlé à la palissade. Il a expliqué à la palissade qu'un déluge allait arriver. Que ce déluge arriverait le jour où du ciel pleuvraient des petits pains dorés et des grains de froment. Ouais. Qu'il fallait, pour se protéger, se construire un bateau suffisamment grand pour y monter avec tout ce qu'on possédait. C'était à la palissade qu'il parlait, mais de l'autre côté, Utanapishtim entendait tout. Il fallait construire le bateau équilatéral. Il fallait y faire 7 doubles ponts. Il fallait y monter avec ce qu'on possédait et son épouse. Et puis il fallait monter sur le bateau de quoi manger. Et puis il fallait faire monter sur ce bateau un couple de chaque espèce animale. Voilà ce qu'Ea a dit à la palissade. Voilà ce qu'Utanapishtim a entendu. Alors, il s'est construit un bateau équilatéral avec 7 doubles ponts. Il a couvert les poutres de bitume. Il est monté dessus avec son épouse et puis tout ce qu'il possédait et puis de quoi manger. Et puis il a fait monter un couple de chaque espèce animale. Et puis il a guetté le ciel. Un matin, le ciel était tout noir. Et tout à coup, il a plu des petits pains dorés et des grains de froment. Alors Utanapishtim savait que le déluge arrivait. Il a fermé les portes du bateau. Toutes les bêtes étaient montées. Ou peut-être pas. Mais ça, on ne le saura jamais. Ce jour-là, à cet instant-là, Ea a rempli
la clepsydre d'eau pour 7 jours et 7 nuits. Et pendant 7 jours et 7 nuits, le déluge a grondé. Il a mugi comme un taureau. Il a glatti comme un aigle. C'était effrayant. Le ciel, la mer et la terre se sont unis pendant 7 jours et 7 nuits. Les dieux avaient tellement peur, les dieux, qu'ils marchaient à 4 pattes. Aruru se disait qu'elle n'avait quand même pas créé les hommes et les femmes pour qu'ils redeviennent de vulgaires poiscailles. 7 jours et 7 nuits, sans que ça s'arrête, sans répit. Un fracas fracassant. Mais au matin du 8e jour, la clepsydre d'Ea était vide. Tout s'est arrêté. Tout était calmé. Utanapishtim a regardé autour de lui avec son épouse et ils ont vu que le bateau avait échoué en haut d'une montagne. Hein? Le mont Nissir. Ils ont vu aussi qu'autour du bateau, il y avait de la boue presque liquide. Alors il ne fallait pas descendre de suite. Ils ont attendu. Ils ont attendu que la boue devint sèche. Et puis un jour, Utanapishtim, il a lancé une colombe qui s'est envolée, qui a disparu. C'était un matin. Elle est revenue à midi. Elle n'avait pas trouvé de terre séchée pour poser ses pattes. Le lendemain, Utanapishtim, il a envoyé l'hirondelle. À midi, elle n'était pas revenue. Juste au moment où le soleil s'est couché, l'hirondelle était là. La terre n'avait pas assez séché. Mais le 3e jour, Utanapishtim, il a envoyé le corbeau. Le corbeau a disparu. À midi, pas de corbeau. Ni le soir non plus. Ils ont attendu la nuit. Et comme le lendemain matin, le corbeau n'était pas revenu, Utanapishtim et son épouse ont ouvert les portes du bateau et toutes les bêtes sont descendues. Alors voilà. Ils étaient sauvés. Utanapishtim et son épouse ont foulé la terre séchée de leurs pieds nus. Ils en ont pleuré de joie. Il fallait remercier les dieux. Ils ont pris 7 vases qu'ils ont emplis de beurre, de miel, de myrte et de cyprès. Et ils en ont fait offrande aux dieux. Et les dieux, quand ils ont senti ces odeurs-là, enfin, Enlil surtout, quand il a compris qu'un homme et une femme étaient sauvés, il a compris qu'un dieu l'avait trahi, il savait que c'était Ea. Alors il est allé le trouver et Ea lui a expliqué qu'il ne fallait pas supprimer tous les hommes et toutes les femmes parce que plus d'hommes, plus de besogneurs, plus rien à manger et puis plus d'histoire non plus. Alors il aurait dû envoyer les lions ou les loups, et il en serait resté quelques-uns. Non, mais Ea n'a pas trahi son serment. Il a seulement parlé à une palissade. Enlil s'est calmé. Il a même offert à Utanapishtim et à son épouse l'immortalité. C'est vrai qu'il s'était bien battu pendant 7 jours et 7 nuits. Mais il a réfléchi aussi, Enlil. Il ne fallait pas continuer comme ça. Trop de bruit, trop de monde. Alors voilà, à partir de ce moment-là, Enlil a décidé la vie des hommes et des femmes serait plus courte. Un peu comme elle est maintenant. Et puis il a décidé aussi, Enlil, que certaines femmes ne pourrait pas donner naissance. Voilà, ça ferait moins de monde aussi. Et même, tiens, il a décidé
que la démone éteigneuse parfois éteindrait la vie de petit. Et comme ça, il y aurait juste suffisamment d'hommes et de femmes pour nourrir les dieux, pour s'occuper de la terre, du ciel, enfin de tout ça, juste ce qu'il fallait. C'est Marduk qui a eu l'idée. D'abord, il a eu l'idée de fêter cela. Maintenant, la vie était installée. Mais il a eu l'idée aussi, une bien belle idée, de demander aux hommes et aux femmes que les dieux avaient créés, de leur demander de construire la première cité. Et cette cité-là, ils l'ont appelée Babylone. Babylone, la cité des dieux, avec ses jardins suspendus qui en ont fait une merveille. C'est ainsi que Marduk a décidé de fêter cela. Et les hommes construisent Babylone. C'était une belle histoire, Olivier Magnan. Vous êtes revenu. Peut-être pas encore. Il ne doit pas être loin. C'était une vraie pause. Hein. Vous êtes revenu, Olivier. Oui, il ne doit pas être loin, Olivier. Olivier Magnan. Je ne vous entends plus. Il n'est pas loin. Je l'entends qu'il fait du bruit, mais il va arriver. Il va arriver. Donc, le déluge vu dans l'épopée de Gilgamesh. Olivier, vous êtes revenu. Je l'ai perdu vraiment ou pas? Je pense pas parce que j'ai entendu bruit, donc il doit pas être loin. Par contre, est-ce que j'ai toujours ici... j'ai perdu ton nom. Il est tard. Est-ce que j'ai quelqu'un à l'antenne, là? Oui, alors est-ce que j'ai quelqu'un à l'antenne? Vas-y. Allô? Allô? Oui, oh là là. Il y a un Larsen. Ça, c'est encore le... Il y a un Larsen, là. Un beau Larsen. C'est quoi, cette histoire? Bon, bah, je crois que c'est une histoire des Anunnaki. Est-ce qu'Olivier, vous êtes encore là? Oui, oui, je suis là. Bon, est-ce que j'ai quelqu'un sur l'autre côté? J'avais quelqu'un qui vous... Ça fait trop de bruit, ça. Je peux... Il faut arrêter la radio derrière. Bon. J'ai quelqu'un sur l'autre ligne. Qui est-ce qui est là? C'est Max. D'accord. Mais Max, il y avait quelqu'un qui... Il y avait deux personnes qui voulaient arriver qui ne sont pas du tout intervenues ce soir. Et que, voilà. Donc, s'ils reviennent, on leur donnera la priorité. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je m'étais réjoui qu'il y ait eu plusieurs auditeurs après moi, parce qu'au début, j'étais un peu seul. D'accord. Alors, sur ce déluge, Olivier Magnan, sur ce déluge, c'est quand même assez intéressant. Il y a quelqu'un qui a appelé hors antenne en disant que ça ressemble fort à l'histoire de l'arche de Noé. Comment l'entendait-il? Oui, bien sûr. C'est la même histoire. Ouais, c'est la même histoire. Mm-hmm. Donc, il était déjà question de déluge bien avant l'histoire de Noé. Non, pas spécialement. Noé, c'est le déluge. Oui, mais là, dans l'épopée de Gilgamesh. Oui. Ah non, l'épopée de Gilgamesh, ça n'a rien à voir. C'est... Alors, est-ce qu'on peut essayer de le dater? Gilgamesh. Aïe. C'est... On a du mal, hein, à 3h50. Oui, c'est... Il y a eu plein de déluges dans toutes les traditions de la planète, hein. Oui, oui, mais en faisant référence toujours au même phénomène. Alors, voyons, Gilgamesh, c'est quelle époque Alors, bah, je suis aussi en train de chercher. Alors, on va chercher.
vais y arriver. Voilà. C'était, je vous avais d'ailleurs dit à un moment donné, le roi d'Our, je me suis trompé, le roi, c'est le roi d'Uruk, rien à voir. Il a régné vers 2650 avant Jésus-Christ, donc on est très, 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 très loin du déluge de Noé. Mais tout à l'heure, vous disiez que le déluge de Noé, c'était à moins 13 000. À peu près, oui. Et Joël disait, on est parti là-dessus, il y a déjà un bon moment, que c'était 10 générations avant Abraham, alors ça me paraît un petit peu limité, ou alors il vivait vraiment très très vieux. Hein. 10 générations de nos jours, c'est 3 générations par siècle. Oui, de quoi parlez-vous là? Parce que j'essaye de... Non, c'est parce que les datations... Le fil. Au niveau des datations, je pense que c'est un peu aventureux. De toute façon, ce sont des datations approchées. On pense, le milieu scientifique pense qu'il y a eu un déluge vers 13 000 ans avant Jésus-Christ. Bon. Il y en a peut-être eu plusieurs, alors. Peut-être eu plusieurs. En tout cas, celui auquel on se réfère, celui... auquel est associé Noé, alias Ziusudra, alias Utnapishtim, c'est celui de moins 13 000 avant Jésus-Christ. C'est toujours du même dont on parle. Moi, par contre, il y avait une question. Attends, parce que là, il y a vraiment Pascal qui arrive, il est 3h59, et il y a encore une autre personne qui voudra arriver, donc on va laisser la... Je vais vous laisser, je voulais parler de l'Ankh et du Di sur les pyramides, on laisse ça de côté. On essaiera de faire toute une nuit sur les pyramides. Ma conclusion très rapide, c'est qu'à mon avis, il est prédit dans l'Apocalypse, quand les disciples du Christ demandent « Et quand est-ce que cela arrivera ?» Il répond « Ah, ça même le Fils ne le sait pas, seul le Père connaît les dates. » Et je pense que quand même, les légions d'anges prévues, et nous sommes observés, parce qu'ils attendent un ordre pour intervenir sur notre planète. D'accord. Voilà. Merci à toi. Au revoir, bonne journée. Bonne fin de nuit. Est-ce que Pascal, tu es là? Quand? Est-ce que Pascal, tu es là? Oui. D'accord. Bonjour Olivier Magnan. Bonjour. J'avais une question à vous poser. Merci pour votre intervention. Je n'ai pas tout écouté. C'est dommage, mais je voulais vous demander, vous savez, dans mon parcours spirituel, j'ai fréquenté les églises évangéliques. Malheureusement, ces 3 dernières années, j'y suis allé 2 ou 3 fois ou 4 fois. C'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur que j'ai manquées. Mais la question que je voulais vous poser, c'est qu'à l'intérieur, une des raisons pour laquelle j'avais arrêté d'y aller, c'est qu'ils parlent toujours du diable. Oui, ça c'est un truc, il ferait mieux de parler des forces des ténèbres, ça me parle, des démons, éventuellement, des entités négatives, etc. et tout ce qu'on peut, mais le diable, voilà, bon. Un jour, moi j'ai dit à Dieu, fais évacuer le diable de ma vie, il m'a répondu, j'ai eu la réponse, le diable n'a pas de puissance dans ta vie, donc voilà. Et quand on dit conversation avec Dieu, Denis de la Walsh, il dit que le diable n'existe pas. Donc je vous écoute et vous parliez d'Enki... et de son rival, en fait, hein, je ne sais pas, quel, tout le contraire, je ne me souviens plus de son nom. Enlil. Dans la mythologie sumérienne, on a affaire à deux demi-frères, Enki et Enlil, mais qui ne sont pas du tout dans la position d'une divinité positive et d'une divinité négative, style dieu-diable. Hein. Rien à voir. Ah, d'accord. Et en fait, Enki, en fait, c'est, je sais que, mais c'est qui alors? Si c'est pas une divinité, c'est quelqu'un qui nous a créé quand même ou? Alors, je ne sais pas à quel moment vous avez prêté l'oreille aux exposés que nous avons faits. Vous savez, comme je le répète, hein, je suis simplement le modeste traducteur d'un chercheur qui m'intéresse beaucoup parce que sont quand même très très élaborés, très scientifiquement menés. Qui s'appelle Zecharia Sitchin. Et les caractéristiques pratiquement exclusives sur les textes des épopées sumériennes. Ils sont des textes remarquables, d'une tenue littéraire absolument époustouflante, et qui font état de la cosmogonie, c'est-à-dire de la création de l'univers portés par la tradition. Alors, ce sont des textes réunis sur des tablettes d'argile,
ont été écrits en caractère cunéiforme hein, dans les langages du temps, transcrits par des scribes donc aux alentours de entre 4000 et 3000, 2500 avant Jésus-Christ, mais qui évidemment puisaient dans une tradition orale bien antérieure à leur écriture proprement dite. Et alors, ce qu'on apprend à travers la mythologie sumérienne, c'est la vision cosmogonique des anciens sumériens. Elle partait d'une famille réputée provenir de l'extérieur de la Terre, donc à bord d'une planète qu'ils nomment Nibiru. Et sur cette planète, le pouvoir est détenu par un monarque qui semblerait absolument tout puissant, en tout cas sur le plan temporel, qui avait nom Anu, d'où le nom de son peuple, les Anunna. Et ce monarque avait deux fils, deux demi-frères issus de deux mères différentes. Le premier, c'est Enlil, le seigneur du commandement. C'est vraiment un homme d'une puissance redoutable. Et Enki, son demi-frère, le seigneur de la terre, qui désignait dans le langage sumérien la terre. Et donc ces deux demi-frères étaient sans cesse en concurrence, en compétition et s'opposaient l'un à l'autre volontiers. L'un, Enki, était un, toujours d'après les textes, hein, je n'affirme rien, était un grand savant associé à sa sœur, Ninhursag. Et tous deux auraient réussi à créer un être hybride, un être créé par manipulation génétique, qui aurait donné lieu à l'humanité, proprement dit. Nous-mêmes, hein, celle dont nous sommes les descendants. Et Enlil était un chef redoutable qui redoutait l'expansion de cette humanité et qui a à plusieurs reprises essayer de la détruire, d'où les mythes du déluge, du personnage de Noé, sauveur de l'humanité, etc. Voilà où nous en étions au moment où vous intervenez. Mais il n'est pas question, et d'ailleurs dans la mythologie sumérienne, il y a des démons, certes, mais il n'y a pas cette dualité dieu-diable que l'on retrouve dans certaines religions. D'accord. La question que je voulais vous poser aussi, c'est... tiens, je vais accoucher un trou. On voit que c'est tard la nuit. j'avais juste la question dans la tête, j'étais en train de réfléchir, j'ai perdu le fil, là. Ah oui, je voulais vous demander au sujet des reptiliens, ça vous parle, ça? Oui, oui. Alors, ça, quel est le rapport avec les Anunnaki et les reptiliens? On fera une autre nuit là-dessus, je pense, un jour. Oui, mais j'aimerais bien comprendre un peu, je veux dire... parce que là, bon, c'est intéressant, surtout si Olivier Magnan connaît bien le sujet. S'il te plaît, Joël, laisse-le parler, parce que c'est important. Quoi, oui, mais on avait dit qu'on ferait, parce qu'il est aussi le traducteur de David Icke, c'est ça David qu'on dit. David Icke. David Icke. C'est pour ça. Donc, là, nous sommes complètement hors les travaux de Zecharia Sitchin, et nous plongeons dans les théories de David Icke que vous devez connaître, que vous avez peut-être lu. Je l'ai vu sur Internet, en fait, quoi. Oui. Alors, c'est tout à fait autre chose. Évidemment, je peux en dire deux mots, parce que j'ai été amené à traduire l'un de ses ouvrages. Oui, c'est un monsieur qui écrit énormément, des livres extrêmement épais, qui sont longs à traduire. Et j'expliquais à Joël, hors antenne, que c'est un travail qui m'avait valu pas mal de sueur froide, parce que c'est un homme dont les théories conspirationnistes, hein, le grand pape de la conspiration universelle, c'est un homme qui, lorsque on le lit et qu'on suit ses raisonnements, finit véritablement par vous atteindre mentalement, par la noirceur de ce qu'il voudrait pouvoir dénoncer. Et notamment, parmi ses thèses les plus négatives, les plus noires, figurent ces fameux reptiliens, que vous appelez reptiliens, et qu'il appelle d'ailleurs reptiliens, qui sont ces êtres qui, d'une certaine façon, s'apparentent aussi par leur nom
aux Anunnaki, parce qu'il lui arrive de les nommer Anunnaki, et qui serait, alors là, je prends le conditionnel avec toute la force voulue, parce que je ne suis absolument pas persuadé que ce soit le reflet de la réalité, d'une réalité quelconque, en tout cas je l'espère. Ces reptiliens seraient des entités d'origine extraterrestre, effectivement, mais vivant sur un plan qu'ils nomment interstitiel, une dimension interstitielle, c'est-à-dire non visible et non perceptible dans nos trois dimensions. Et ces entités seraient véritablement la source d'un mal inouï et générant un mal inouï au cœur de l'humanité. C'est une toute autre approche, une toute autre vision du monde qui est beaucoup plus difficile à supporter quand on plonge dans les écrits d'un David Icke et qui évidemment relève d'une toute autre approche. Et donc, les petits gris feraient partie aussi de cette race des reptiliens ? Les quoi, pardon ? Les petits gris. Alors, vous savez, les ufologues ont donné des noms. Oui, bien sûr, pour certains, ce sont les mêmes manifestations d'entités malfaisantes extraterrestres. Pour d'autres, c'est une autre façon de désigner des entités extraterrestres qui ne sont pas forcément assimilables à ces fameux reptiliens. Donc, dans ce domaine, on peut dire tout et n'importe quoi. Pour David Icke, il existe et il cohabite plusieurs entités extraterrestres dans des dimensions invisibles sur Terre. Donc quand vous en êtes arrivé à ce point d'exploration, évidemment, tout vous semble possible, tout vous semble s'apparenter à ces fameux reptiliens, à ces forces du mal, telles qu'on pourrait les dénommer. Et là, il faut ou bien garder un moral d'acier, ou bien sombrer dans la Grande Dépression, mais c'est quelque chose qui est difficile à supporter. Et il paraît qu'il pourrait se transformer en être humain, est-ce que vous en pensez ? Oui, alors, non, c'est pas tout à fait ça chez David Icke. Ces entités reptiliennes qui vivent dans des dimensions interstitielles sont incapables de se manifester, sinon par des lignées hybrides, ce qu'il appelle des lignées hybrides, c'est-à-dire des individus, des êtres humains qui auraient été hybridés par des entités invisibles. Alors, encore une fois, tout cela manque de... C'est un peu les incubes et les succubes. Hein, ce sont les affirmations d'un homme. On le suit ou on ne le suit pas. Mais pour lui, effectivement, toute une race d'hybrides humains sont constitués en partie par cette nature de reptilien et seraient amenés... Alors, on constitue bien sûr, pour David Icke, les princes qui nous gouvernent, hein, les rois et les présidents et les présidents d'entreprises et de supranationales. Et donc, même le monde comme il le souhaite, c'est-à-dire vers le grand holocauste final dont il se repaîtrait. Voilà un peu la vision haïtienne de l'univers. Alors évidemment, ça n'est pas... Est-ce qu'il nous mange ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous ? Alors, j'ai du mal. Hein. J'ai vraiment du mal. Je disais à Joël Vérin tout à l'heure que lorsque je traduisais cet énorme bouquin, les événements autour de moi, dans le monde, semblaient s'agencer dans ce sens. C'est-à-dire que véritablement, d'ailleurs, son œuvre, son livre ne se contente pas de décrire les reptiliens, les hybrides, les lignées reptiliennes qui gouvernent le monde. Il aborde quantité de sujets divers et variés, mais qui ont toutes cette même unité de pensée qui consiste à dire que nous sommes agis, manipulés, menés par des reptiliens et leurs hybrides pour nous mener vers une fin peu glorieuse. Et puisque vous êtes attentif au message évangélique, effectivement, il exhorte les humains qui ne seraient pas les victimes de ce genre
d'entité, de réagir et de mettre en avant des forces du bien, comme on pourrait les appeler, pour lutter contre cet aspect des choses. Mais il ne semble pas aujourd'hui, en tout cas, qu'il y ait une grande réaction dans ce domaine. Et tout montre qu'au contraire, le monde se dirige vers, si on en croit toujours Hayek, hein, se dirige vers une fin peu glorieuse. Alors lui, il est né en 52, donc il n'est pas vieux. Hein. C'est un ancien joueur de football. C'est un ancien journaliste de la BBC, un journaliste spécialisé dans le sport, et qui a finalement consacré toute sa vie à écrire ses livres et à alerter l'humanité contre le danger que représenteraient ces entités reptiliennes. Ça devient compliqué tout ça, parce qu'il y a donc ces forces-là qui existent, mais en plus il y a des forces humaines qui sont les âmes qui ne sont pas grimpées en haut, qui rentrent à l'intérieur des corps des êtres humains, ce qu'on appelle les démons chez les chrétiens, des djinns chez les musulmans, des entités dans le New Age, etc. Alors ça, c'est les forces des ténèbres, donc des êtres humains, mais en plus il y aurait ça. Moi, j'ai pas d'avis hein, sur les reptiliens, je cherche simplement à comprendre, je n'en ai jamais rencontré. Mais ça, on avait pensé qu'on ferait toute une émission là-dessus. Ouais, mais tu vois, ça découle avec les Anunnaki aussi, tu vois, c'est lié, quoi, un peu. Écoute, quoi, moi, je vais te dire une chose, c'est que quand tu lis du Zecharia Sitchin, t'es pas mal à l'aise. Alors que moi, j'avais un livre c'était une toute autre approche. J'avais un livre de David Icke chez moi, et je l'ai pas ouvert, je sais pas, il me brûlait les mains, quoi. Mais, Il y avait un truc qui... Alors que quand on lit du Zecharia Sitchin, ça fait un peu science-fiction, ça fait un peu... mais on se sent bien, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Ah, c'est une toute autre démarche. Zecharia Sitchin était véritablement animé par l'ambition et le besoin d'explorer son univers, mais d'une façon parfaitement scientifique. Allô ? Oui ? Oui, on est là. Ah ben, je croyais qu'il l'avait coupé. D'une façon tout à fait élaborée, effectivement, comme le dit Joël, d'une certaine façon sereine, et on n'est pas du tout dans l'univers d'un David Icke, et pas du tout non plus dans l'univers des élémentaux, comme on dit maintenant, puisque vous avez fait allusion aux djinns et aux forces de la nature, qui sont encore une autre composante du décryptage de l'univers, qui m'intéresse aussi, bien entendu, mais qui sont encore dans un autre aspect de la recherche ésotérique humaine ou occultiste humaine. Ouais. Mais là, vous confirmez que l'Anunnaki ne se considère pas comme un dieu, quoi. Enki non plus, et puis Enlil non plus. Ils ne se considèrent pas comme des dieux. Eux-mêmes, les personnages qui portent ces noms-là. Alors, oui. Quand on prie, où va nos prières ? Elles vont pas vers Enki ni Anunnaki, elles vont ailleurs. Non, c'est une question. Oui, je veux dire, pour l'humanité, ce sont des dieux. Pour eux-mêmes, dans les textes que j'ai pu consulter, ils étaient parfaitement conscients d'être les dieux de l'humanité. Et ils se faisaient rendre d'ailleurs des cultes, et ils se faisaient offrir des sacrifices en tant que tels, mais eux-mêmes se savaient, bien entendu, ne pas être des dieux. Alors, en offrant de sacrifices, puisqu'ils étaient aussi partis chez les Incas, est-ce qu'ils demandaient des sacrifices humains ? Bah, écoutez, là, on n'a jamais trop su d'ailleurs, hein, puisque c'est assez controversé. Il semblerait, oui, qu'il ait existé un certain nombre de sacrifices humains chez certains peuples d'Amérique du Sud, mais on était quand même là, très 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 postérieur à la présence Anunnaki en Amérique du Sud. Quand on parle des sacrifices humains des Aztèques ou des Incas, je ne sais jamais lequel des deux peuples procédait à de tels sacrifices, c'est pratiquement contemporain de notre époque. Donc, les Anunnaki, eux, sont très 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 antérieurs à cet état de civilisation. Donc je ne pense pas, en tout cas, ailleurs, il n'a jamais été demandé par les Anunnaki le moindre sacrifice humain. Par contre, Dieu l'a fait avec Jésus. Je ne sais pas. Moi, je pense que Jésus l'a fait faire. Une entité humaine qui existait, je ne sais pas. On peut l'interpréter. Vous savez, les gens ne savent pas ça, mais
les évangéliques, bon, il y a des avantages et des gros, il y a des gros avantages et des gros inconvénients. C'est qu'il y a des gros avantages où Dieu agit beaucoup dans les églises évangéliques. Il y a plein de choses qui s'y passent dont on n'entend jamais parler, hein. Des guérisons incroyables, etc. Dans tous les domaines. Il y a même des gens qui reviennent à la vie, hein. Mais on n'en entend pas parler, hein. Donc, je veux dire, ce qui se passe, c'est que j'ai encore un petit coup de fatigue, là. Sur les églises évangéliques, les avantages et les... Oui, alors, les inconvénients, c'est qu'ils enferment Dieu dans la Bible et ils prennent la Bible pour la parole de Dieu. Moi, ça m'a freiné, ça m'a... C'est une des raisons, on l'appelle, quand on parle de parole de Dieu, quand on lit le livre. Bon, on a des révélations quand on fait ça dans certains contextes de vie, quand on lit la Bible contre un gros arbre ou la nuit, Dieu intervient, on a l'impression que c'est un livre qui est raccroché à un agrégore puissant, surtout si on pose des questions à Dieu, etc. avant, c'est peut-être un des moyens qu'il a pour répondre, ça m'est arrivé deux fois, mais je veux dire, mais l'inconvénient, c'est quand on prend un livre de la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, tous les autres livres sont pas la parole de Dieu, parce qu'il y en a qu'un, quoi, donc c'est un problème parce que ça crée des forcément celui qui est musulman il pense la même chose de son livre et quand on lit la Bible c'est pas une partie de plaisir quoi, il y a des passages qui sont très, il y a des trésors cachés comme j'ai reçu des messages moi dans la Bible, mais il y a des passages c'est vraiment, enfin bon, faut dire ce qui est, c'est gonflant quoi, je veux dire donc moi à titre personnel je trouve ça gonflant mais j'ai eu du mal à m'y mettre, je commence seulement à m'y remettre vu que j'ai raté c'était un livre important à lire, à bien comprendre, et il y a des passages certaines, un livre en fait le passage qui devrait dire en fait c'est un livre puissamment inspiré par Dieu, voilà, avec les alors si t'es intéressé par la Bible, figure-toi que les trois quarts des écrits bibliques viennent quand même encore des tablettes sumériennes. Ah oui. Et c'est un rapport avec les Anunnaki aussi. Ah ben, parfaitement. La Bible, mais c'est maintenant plus... C'est sorti du domaine de l'hypothèse pour rentrer dans l'exégèse proprement dite. La Bible est une compilation de textes bien antérieurs et notamment inspirés par les mythologies sumériennes et babyloniennes. Donc, l'assimiler à la parole d'un dieu, ça paraît, en tout cas pour le public non religieux, ça paraît très téméraire. Ouais. Il y avait Claude Trac aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, qui avait écrit là-dessus, non ? Ça ne vous dit rien, Olivier ? Claude Trac, non, ça ne vous dit rien. Qui avait écrit justement sur les relations entre les écrits, enfin les tablettes sumériennes et la Bible. On retrouve dans la Bible les personnages précis des épopées sumériennes. Hein, donc c'est vraiment une compilation dans un sens de religion monothéiste, certes, même si on l'a évoqué aussi et tous les partisans tous ceux qui ont envie de remettre en cause la Bible en tant que message de Dieu soulignent que lorsque la divinité est désignée par un nom pluriel comme Elohim, la crédibilité du texte est remise en cause. Mais enfin, moi je pense qu'effectivement, si c'est votre cas, la Bible est un des textes à travers lesquels on peut essayer de trouver son accomplissement. Pourquoi pas ? Mais sur oui, je plan... pense aussi que c'est un passage que j'ai raté de ma vie, qu'aurait fallu que ce livre qui en contient 66, que je connaisse parfaitement, parce que d'après ce que vous dites là, même si c'est pas dans les mêmes dates, bon, c'est un livre important, et ça doit créer un agrégore puissant, quoi. Il y a quelque chose, il oui, y a des après, trésors après, cachés. Après, dans quoi. Un autre domaine, hein, plus magique qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'en tant que tel, la Bible est une compilation de textes plus anciens. Donc, il est difficile, en tout cas moi, à titre personnel, il est difficile d'y trouver une parole divine, bien entendu. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une partie de vérité dans les religions, quoi. Moi, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai oublié Dieu agissait puissamment dans les églises évangéliques et j'ai mis ça de côté. Mais dans ma tête, et puis j'y pu aller, mais parce que je voyais que les inconvénients, mais je voyais pas les avantages, quoi. C'est que Dieu agit puissamment à l'intérieur. Il y a un enseignement puissant, quoi, dans tous les domaines, que ce soit le domaine du rêve, la voie d'avant, c'était sur le rêve, mais malheureusement, je suis pas assisté. Mais je veux dire, il y a toujours, à partir de la Bible, on peut. Maintenant, il faut discerner, prendre ce qui nous nourrit et le mettre le reste de côté,
mais pas abandonner tout ce qu'ils disent dans les églises évangéliques, parce qu'il y a des trésors cachés, quoi. Mais elle est intéressante, ta question, parce que je me demandais justement s'il y avait un culte rendu aux Anunnaki, au même titre qu'on rend un culte dans les églises. Est-ce qu'il y avait... Il n'y a pas de notion, Olivier, de je sais pas, de temple, d'église, d'endroit où... Si, il y en avait. Bien sûr que si. Il y a eu plusieurs étapes dans la présence des Anunnaki, toujours, hein, à travers les textes auxquels on se réfère. À un moment donné, on parle effectivement de périodes de temps extraordinairement larges, les Anunnaki ne sont plus apparus comme auparavant sur Terre de façon directe, mais ont désigné des rois sur Terre pour les représenter, pour établir une liaison entre le peuple de l'humanité et eux. Et à partir de ce moment-là, ils se sont fait bâtir, et on leur a bâti, des temples énormes, des temples inouïs. Enfin, Nippur, qu'on évoquait tout à l'heure, était le temple de Enlil, le dieu Enlil. C'était une bâtisse redoutable, et on leur rendait un culte, et tout un clergé a été établi à ce moment-là, qui rendait un culte aux dieux Anunnaki en tant que tel. Et donc, ce culte, il n'est plus absolument pratiqué sur Terre. Il a complètement disparu. Peut-être dans la résurgence de certaines, je ne sais pas, j'imagine, certaines religions qui ont d'ailleurs découlent peut-être de la... vous savez, il me semble avoir entendu parler de certains cultes qui s'apparentent encore à la tradition sumérienne. Donc ça doit encore exister, mais à titre tout à fait marginal. Et donc, en tout cas, les temples existent toujours, ont été exhumés, ont été restaurés, et ce sont des bâtisses formidables. Qu'est-ce qui se passe? T'as remis quelque chose derrière, Pascal? Ah non, c'est pas moi. Voilà, donc un culte, et donc ils vénéraient quoi? Des dieux ou la planète? Oui, le clergé vénérait les dieux, hein, qu'il s'agisse de la divinité suprême à nous, qu'il s'agisse des dieux de ses fils Enlil, Enki, et puis toute une série d'autres dieux, généralement de la parentèle de la monarchie libyrienne, des déesses également, sorte de déesses, dont la fameuse Ishtar, qui était une des demi-sœurs des deux demi-frères, parce que ce sont des gens qui avaient une parentèle absolument immense. Et donc on rendait des cultes à tous ces dieux et à tous ces déesses d'une manière extrêmement codée. Alors, et si on trouvait en 2014 ou en 3014 quelque chose d'encore antérieur à ces Anunnaki, à cette planète Niribu, ça y est, je suis fatiguée, j'en veux plus. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a encore quelque chose d'antérieur qui est enfoui encore plus profondément? Pourquoi pas? Si l'on découvrait quoi, Joël? Quelque chose d'encore plus vieux. Ça semble fou, hein, parce qu'on se dit qu'on peut quand même... quelque chose d'antérieur encore. À Sumer. Les Atlantes, ils sont antérieurs, non? Oui, les Atlantes, on ne les a pas trouvés. Il y a des endroits où on a trouvé des choses quand même au sujet des Atlantes. C'est encore une autre question très hypothétique. Antérieur, oui, peut-être, mais non, ce serait toujours... On serait toujours dans le domaine de nos Anunnaki, puisque la trace laissée par les mythes est transférée et transportée et transmise par les textes sumériens font quand même état d'une antériorité de la venue des Anunnaki sur Terre extrêmement ancienne. Je vous parlais des 450 000 ans du, euh,
des premières apparitions des Anunnaki sur Terre, 450 000 ans. Trouver quelque chose qui soit daté d'aussi loin relève sans doute de l'impossible. Et donc, quand bien même trouverait-on quelque chose d'antérieur à Sumer, qui est effectivement sur le plan de la civilisation, hein, qui est quelque chose de déjà considérablement ancien, ne nous montrerait pas une autre, ne nous donnerait pas une autre façon de considérer l'histoire telle que Zecharia Sitchin l'a rebâtie. On trouve bien sûr toujours des reliefs préhistoriques, hein, encore plus anciens que tout cela. Mais ça, c'est une autre affaire. Ce sont des squelettes du Dominidé qui n'appartiennent en tout cas certainement pas à cette race extraterrestre. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est aller voir sur cette fameuse planète Nibiru ce qui s'y passe. Nibiru, oui. Il arrive un moment où je fourche tout le temps. Et... Marduk, puisqu'elle fait, on la nomme aussi Marduk du nom du dieu, un des fils de Denki. Elle est invariablement nommée Nibiru ou Marduk selon les époques et selon les civilisations. Et donc, on n'a aucune idée du nom du culte qu'on aurait. S'il y avait sûrement un c'était le Mardou ou Mardou Théasme. Il y avait sûrement un nom de culte. Un nom de culte. Oui, c'est-à-dire comme on voit toutes ces religions qui portent des noms en fonction des dieux. Il y avait. Moi, j'ai aussi beaucoup de mal à 14 ans. C'est-à-dire que. Aussi loin qu'on puisse faire remonter l'écriture, c'est-à-dire pratiquement sur les tablettes sumériennes, ce sont ces noms-là, Marduk, Enki, Enlil, Anu, Ishtar, Ninarsag, qui apparaissent. On a tous ces noms-là. Mais ça n'a rien à voir avec Mazda et toutes ces... Non, ça c'est... Alors, rien à voir, oui et non, c'est-à-dire que à partir du moment où si l'on part du principe que ces entités extraterrestres sont venues sur Terre dans une antiquité extraordinairement ancienne et qu'elles nous ont et qu'elles ont créé l'humanité, toutes les autres mythologies, qu'elles soient indiennes, proche-orientales, chinoises, etc., découlent des mêmes sources. Et on devrait retrouver pratiquement les mêmes entités à l'œuvre à travers les mythologies de ces autres civilisations. Est-ce que l'être humain... Moi, Pascal, je t'ai descendu parce que finalement, tu faisais trop de bruit. T'es toujours là, Pascal ? Non, je suis là. D'accord, suis là. Mais c'est pas moi qui fais du bruit. Hein. Ben... Je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas moi. En tous les cas, quand j'avais baissé le curseur, ça en faisait plus. Est-ce que nous, en tant qu'hommes, là, être humain, peut-être pas nous, parce qu'on est encore pas prêts, mais enfin, on est quand même partis à la conquête de l'espace. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait faire la même chose, tomber sur une planète avec... Ah oui, c'est une... ça peut être un scénario de pensée, pourquoi pas, effectivement. Oui, bien sûr. Oui. On serait les dieux d'une entité vivante. Et pourquoi ne la créerait-on pas, hein? Bien entendu, on peut toujours refaire à l'infini tout ce qu'on a pu penser avoir été la réalité pour nous. Oui, pourquoi pas. C'est une autre, mais là on est dans les hypothèses de pensée, dans les scénarios. Juste une petite parenthèse par rapport à ce dont on a parlé avant, au sujet de David Icke, là. Il paraît qu'en France, je ne sais pas si c'est vrai, c'est une information à vérifier, hein. Je précise parce que je ne l'ai pas vérifié du tout. Il y avait 40 000 enfants qui disparaissent. Et en 40 fait. 40 000, pardon, quoi ? Enfants qui disparaissent par an. Ah bon ? Oui, ça a vérifié. Hein. Attention, vérifier l'information parce que j'ai vu sur Internet et je ne l'ai pas vérifié. Ça fait beaucoup. Donc, parce que j'ai entendu les chiffres de la rentrée scolaire. Ils ne sont quand même pas.
Y a oui, pas... ça me semble énorme. Hein, ouais, comme, ça me semble comme... C'est pour ça, c'est qu'il faut le vérifier. Il faut vérifier le chiffre. Il faut impérativement pas le sortir comme ça. J'aurais pas dû d'ailleurs, mais bon, maintenant, ça y est, c'est lâché. Et je précise bien qu'il faut vérifier. Bon. Mais là, y a, avec ces réseaux de pédophilie, etc., et tout, les enfants qu'on coupe en petits morceaux à la scie électrique, etc., et tout, je veux dire, je me demande si nous, on n'est pas... Enfin, bon, couper un enfant à la scie électrique et tout, comme on a, j'ai pu le voir, etc., si on n'est vraiment pas infecté par... par des êtres qui sont pas comme nous, quoi. Je veux dire, entre avoir un acte sexuel et des fois encore c'est encore pourri aussi, mais je veux dire couper un enfant à la scie électrique, etc., et tout, pour avoir du plaisir, enfin bon, je veux dire, il arrive un moment on se demande ce qui se passe là, donc ça c'est des choses qui arrivent, hein. Des gens qui s'occupent de ça, ils disparaissent, on n'en voit plus, hein. Il y en a un qui, je sais plus son nom là, mais bon, il y a quelqu'un qui fait du bon boulot sur Internet, je ne veux pas préciser de nom, mais enfin bon, il a un réseau qui s'appelle Égalité et Réconciliation, il y a des choses intéressantes. Et je veux dire, bon, il y a vraiment un problème là, en se demandant ce qui se passe, quoi. Je veux dire, alors moi au départ, je veux bien les reptiliens, tout ça, bon, j'ai pas d'avis là-dessus, j'étudie la question. Mais quand on arrive à un stade à ce stade-là, quoi, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Je veux dire, puis il y a des êtres humains qui sont des hommes politiques français, hein, particulièrement, et il a une tête bizarre, et on sait qu'il tremble dans tout ça. D'ailleurs, ils en ont parlé à la télévision. Mais bon, tu t'y intéresses pas, mais tu en connais pas mal quand même. Comment ? Tu t'y intéresses pas, mais tu t'y intéresses quand même. Ben oui, ça c'est dans le bas. Je sais pas qui est-ce qui est en haut. Je veux dire, maintenant, moi ça m'interpelle, les enfants qu'on coupe en petits morceaux à la scie électrique vivant. Je veux dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quoi. Donc, je veux dire, ça m'a surpris et là on rigole plus, quoi. Je veux dire, autant. Oui, mais là, est-ce qu'il faut pas encore faire attention à ce genre non. de. Sans doute faut-il manier ces informations avec beaucoup de prudence. En revanche. C'est vrai. Ce que Pascal dit évoque puissamment tout ce que dénonce David Icke. Pour David Icke, les reptiliens sont des entités assoiffées de sang, se nourrissent, dont l'énergie est apportée par la souffrance, le malheur, la torture, etc. Et donc, quand on évoque de telles situations... d'horreur, d'abomination, de guerre concernant aussi. Des enfants, on est dans l'univers des reptiliens tels que les décrit Icke. Et bien entendu, on adhère ou non, on va croire ou non aux théories développées par un David Icke. Mais si jamais on rentre dans ce processus-là, alors oui, on regarde autour de soi et à chaque fois, on découvre que la totalité des horreurs que l'on peut découvrir sur Terre sont alimentées, fomentées, voulues par ces entités. Je pense que, entité ou pas, l'humanité est capable de telles horreurs. Mais bien, on a encore eu des exemples ce week-end avec ce gamin de 4 mois qui. Ça, je crois qu'on n'a même pas besoin de reptiliens pour arriver à ce degré de stupidité, de bêtise et de monstruosité de la part de parents qui sont complètement zombies. Mais pour un Icke, ça fait partie de l'alimentation en énergie de ces entités-là et c'est très dérangeant quand on lit ces propos. Pascal, on va te laisser parce qu'il y a vraiment des bruits bizarres qui arrivent. Oui, là c'est peut-être parce que je suis à côté du téléphone. Tu dois avoir des entités malsaines qui sont pas loin de chez toi, qui veulent se manifester. Je rigole. Qu'est-ce que tu as dit, Joël ? Je dis, tu dois avoir des entités malsaines qui veulent se manifester pour montrer qu'ils sont là. Non, mais je rigole, c'est bien comment je suis. Et puis il y a quelqu'un qui veut absolument venir à l'antenne, il est déjà 4h37. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Merci Joël, merci Olivier Magnan. Merci beaucoup pour votre expérience dans le langage et puis d'avoir traduit ces livres. Ça permet de nous enrichir. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, maintenant, il faudrait que ce genre d'informations, vous passiez à 20h au journal. Quoi. Si tu t'intéresses à la Bible, lis Cosmogénèse. Je pense que c'est le meilleur, non ? De Zecharia. Pour une initiation à la pensée et à la méthode de Zecharia Sitchin, oui, Cosmogénèse est un bon livre.
que tu trouves aux éditions Macro Éditions. C'est le même d'ailleurs qui édite les livres de David Icke. Oui. Merci. C'est étonnant tout ça. Il y a, oui. Vous savez, les extrêmes se rejoignent tout le temps. C'est bizarre, hein, ça, quand on parle des reptiliens, vous voyez ce qu'ils font, ils pratiquent la torture et tout. Et quand vous allez dans le sens de Dieu, dans le sens, eh ben avec le Christ, c'est pareil, quoi. Vous arrivez pour une autre raison, voilà, il s'est laissé souffrir, il s'est laissé torturer, et on arrive au même. C'est marrant que les extrêmes se rejoignent tout le temps comme ça. J'ai remarqué ça, moi. Mm-hmm. Que ce soit en politique ou ailleurs, les extrêmes se rejoignent tout le temps. Alors, il faut prendre la voie du milieu, comme diraient les autres. Oui, d'accord, mais des fois, bon. Enfin bon, il y a un truc que je voudrais dire aux personnes aussi, juste un petit message à faire passer. J'ai commis une erreur dans ma vie qui va me coûter cher, c'est que j'ai rencontré deux personnes qui faisaient des actes de voyance, mais j'étais pas allé pour ça, j'étais allé pour un problème d'envoûtement. Et en fait, ces deux personnes, elles ont vu que j'allais avoir un problème de santé, un problème machin, et tous les deux m'ont dit que j'allais avoir un problème dans 10 ans, quoi. Dans 10 ans, c'est maintenant. À un an près ou l'année prochaine, ou voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment où j'allais pas bien, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui va encore se passer avec cette prédiction-là ? Et j'ai entendu une voix me parler dans ma tête et me dire, tu le crées. Et en dessous, j'ai entendu ma sœur me dire, tu fais attention, Dieu ne te parle pas par hasard. Et j'ai dit, oui, de toute façon, j'ai la preuve dans cette histoire. Il est derrière la palissade. Voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut valider une. Si cette prédiction de voyance, je l'avais cassée dès le départ, au nom de Jésus, je l'avais cassée, j'aurais pas eu les effets. Si je l'avais laissée suspendue, je m'en serais pas occupée, c'était pas grave non plus. Mais le problème, c'est que je l'ai validée, quoi. Ouais, tu peux toujours la dévalider, hein. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple, Joël. Figure-toi que je l'ai fait, et spirituellement, je vois que c'est voilà. Mais t'es dans la peur, arrête de te faire peur. Va non, pas lire du David Icke. Je dis simplement, je suggère aux auditeurs, dès qu'ils vont voir... je savais pas que Jésus était contre la voyance. Moi, je l'ai appris, malheureusement, je ne suis pas assez investi dans la Bible. Merci. Et je savais pas qu'il était contre. Et maintenant, je m'aperçois des effets pervers de ce truc, parce que j'ai même pas payé, en fait. C'est des gens qui m'ont donné des renseignements comme ça. C'est un que j'ai vu dans un salon zen, dans un salon bio, dans une cour. Et l'autre, je suis allé le voir chez lui, il m'a rien fait payer... Enfin bon, et des gens ils m'ont dit, t'as dit ça pour te dire, non, mais pas du tout, c'était complètement... Et d'ailleurs, quand j'ai revu la première personne, parce qu'il habite pas loin d'ici, d'ailleurs, il est venu se faire opérer des yeux, il était quasiment aveugle et tout, enfin bon... Donc pour un voyant, c'est quand même triste, hein. Oui, mais c'est les conséquences peut-être de ce qu'il dit aux gens, et que sans le faire exprès, il fait du mal, quoi. Mais il l'a pas fait exprès, hein, mon sujet, mais moi, voilà, il faut faire attention, je veux dire, si jamais vous allez voir quelqu'un... D'ailleurs, dans les églises évangéliques, ils connaissent ça. Ne jamais accepter une prophétie négative. D'ailleurs, ils ne disent pas de prophétie négative. Si un jour vous avez une prophétie, elle peut vous être perverse, hein, parce que j'en ai eu une aussi. On m'a dit que j'allais avoir une femme noire avec 3 enfants métis et j'avais pas envie de ça, ça m'a pourri la vie. Mais bon, pour lui, on va pas finir là-dessus, Pascal. Non, mais simplement tu nous dis de ne pas faire de voyance. Cette histoire de voyance, là, ça peut pourrir les gens comme ça m'a pourri ma vie. Comme ça continue à la pourrir, mais avec les gens, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pascal, t'as juste à changer, à te dire que c'est pas pour toi, et puis pas à croire que ces gens ont une super puissance sur toi. Mais ils ont pas de super puissance. Le problème, c'est qu'ils ont un vrai don. Moi, si je t'annonce quelque chose et qu'il va t'arriver dans 10 ans, j'ai pas de don, ça vaut rien. Tu peux le valider, tu peux faire tout ce que tu veux. Et qu'est-ce que t'en sais qu'ils ont un don? Mais c'est toi qui vas créer. Moi, j'ai pas de don. Par contre, quand c'est fait par une personne qui a un vrai don, là, il y a danger, là. Parce que moi, je l'ai validé sans le faire exprès, quoi. Bon, tu l'as validé parce que tu as donné du pouvoir à l'autre. Tu as donné ton pouvoir à l'autre. Mais t'as pas de don, toi, Pascal. Bon, on va laisser là-dessus. Non, c'est ça, j'en ai pas tenu compte. Bon, on laisse ça parce que c'est pas le sujet de l'émission. Ok, Pascal. Enfin, voilà, c'est un truc à savoir. Faut pas dire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est Faut garder son pouvoir et arrêter de croire. Il faut le dire non, mais tout de suite. Faut pas attendre. Parce qu'après, si on a un moment de faiblesse, on peut le valider sans faire. Pascal, je suis de l'avis de Joël. Ne donnez aucune importance à ça, même maintenant. Il continue à en donner, oui. Il n'y a aucun souci. Tu vis dans la peur. Vous n'êtes tributaire de rien, vous n'êtes enfermé par rien, vous êtes libre et vous devez vous l'affirmer à vous-même. Par contre, vous avez raison, j'aurais pas dû en tenir compte depuis. Ils ont toujours raison. En en parlant, on le fait, quoi. Mais voilà, tu continues à leur donner du pouvoir. Ouais, enfin bon, je voulais simplement, moi, je ne savais pas, ça fait partie des pièges spirituels que je ne connaissais pas. Des clairvoyances, quand vous annoncez quelque chose qui.
Sortez-vous de ça. Ouais, on t'embrasse, Pascal, parce qu'on va vraiment beaucoup, pas finir là-dessus. Merci à vous deux. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Et toi aussi. Et dans les églises évangéliques, c'est bien la puissance de la louange. Et comme j'ai dit des choses négatives, je vais dire les choses positives. La puissance de la louange qui vous désenvoûte. Il faut faire ça 40 minutes chez soi. Bah oui, mais les évangélistes, ils sont aussi pareils que les autres. Ils vont te dire que t'es envoûté, qu'ils ont la puissance de désenvoûter. Et t'en sortiras pas mieux. Ils en ont pas parlé assez, moi. Ce qu'ils parlent beaucoup, c'est du diable. Mais bah oui. Ils appellent ça la délivrance aussi. Mais maintenant... Bah oui. C'est la délivrance, on peut délivrer n'importe quoi. Moi, ça ne me frappait pas à l'esprit, la délivrance. Pour moi, le terme le plus approprié, pour moi, c'est le désenvoûtement ou la dépossession, comme les catholiques disent, là, et je suis fatigué, là. La dépossession, c'est pas ça qu'on dit. Bon, c'est pas grave. Mais enfin, ne conseille pas d'aller chez les évangélistes. Il y a des bonnes choses. Il y a le parler en langue. Non, mais attends, maintenant. Non, mais c'est pas le style de l'émission. Bon, moi, je te coupe parce qu'il est 4h44 et on va changer de sujet. Et il y a deux personnes qui sont en attente. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Olivier, à Pascal qui vient de partir? Si vous êtes toujours là. Olivier? Oui. Oui, qu'est-ce que vous pourriez lui dire à Pascal en deux mots, qui vient de partir et qui est dans la peur et qui est mort de trouille? Oui. Vous tenez le choc quand même. Je vous entendais mal. Vous disiez à propos de Pascal? Qu'est-ce que vous pourriez dire à Pascal juste en deux mots, parce que je vais couper la parole, sinon il va rester jusqu'à 5h du matin à prôner les évangélistes qui sont aussi dangereux que les autres, parce que dans la mesure où on donne son pouvoir à quelqu'un, de toute façon, on ne l'a plus. Qu'est-ce que vous pourriez dire à... Exactement, mais il est encore là, Pascal? Non, je l'ai coupé, parce que sinon, il ne nous laissera pas, je le connais, il ne nous laissera pas. Il va rester sur son sujet, et c'est hors sujet. Je suis très ennuyé, mais ce sont des êtres qui sont victimes d'eux-mêmes. Et réellement, c'est redoutable ce que j'entends de cette nature-là. Je ne sais pas quoi lui dire, hein, mais je crois que c'est un garçon qui est quand même très très engagé dans son parcours semi-magique. Hein, et genre, on aurait du mal. Il faudrait en deux mots, on peut difficilement le sortir de son marasme spirituel. C'est vraiment gênant. Bon, on va voir. Non, en tout cas, ce que vous lui avez dit est vrai, quoi. Il faut qu'il reprenne son pouvoir. Il faut qu'il arrête de penser qu'il y a un pouvoir supérieur à lui et que d'autres peuvent faire à sa place ce qu'il peut faire tout seul. Hein, Pascal, moi, je te connais, tu es tout à fait capable de t'en sortir sans avoir besoin de passer. Si tu as besoin de le faire, vas-y une fois, mais après, quitte-les. Va pas plus te mettre dans une secte que dans une autre. Et voilà, enfin bon. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un, parce qu'on est... Il y a quelqu'un sur cet insert-là ou pas du tout? Non. Allô? Oui, il y a quelqu'un là, c'est Gérard Max. Oui, c'est-à-dire, voilà, je vois qu'Olivier n'est pas un journaliste comme les autres. Il a quelques plus. Ben, c'est bien. Oui, ce que vous avez dit à Pascal tout à l'heure, c'est exactement ça, quoi. Ne pas se laisser enfermer, qu'il est libre. Qu'il peut... C'est Myriam qui aurait certainement des choses à apporter à Pascal. Ah, Myriam, une auditrice, ex-animatrice, particulièrement, disons, instruite en la matière. Bon, je ne téléphonais pas pour ça. Effectivement, je pense que j'ai cette question-réponse, en quelque sorte, que j'aurais à poser à Olivier. Hein. Quand je dis question-réponse, que déduisez-vous de tout cet ensemble de connaissances que vous avez acquises depuis probablement déjà assez longtemps, sinon que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes en quelque sorte mis à l'épreuve. Voilà. Notre existence serait une espèce de mise à l'épreuve. Mais pas une mise à l'épreuve au sens sadique du terme. Non. De la part du créateur, enfin, universel, c'est simplement comme s'il avait eu envie de créer un être libre, après tout, de choisir lui-même entre le bien et le mal. C'est un peu manichéen, ce que je dis là.
D'accord, donc toi c'est ta vision. Mais là il y a Liberté qui voudrait poser une question à Olivier. Il bien est 4 sûr, heures, bien il sûr. 4h48. Vas-y. Oui, bonsoir Olivier. Oui. Bonsoir. J'aimerais savoir si vous aviez un site où vous exprimez, une pensée, où vous donnez des informations. Alors, véritablement, pas du tout. Pas du tout, d'accord. du tout. C'est sans doute un tort, mais je vais vous avouer une chose, je travaille énormément parce que la traduction de Sitchin, c'est un aspect de ma profession, de mon activité professionnelle. Pour ne rien vous cacher, je viens de terminer un livre sur les instituteurs, vous voyez, ça n'a rien à voir. D'accord. J'en ai terminé un autre sur Anne d'Autriche, qui est encore plus éloignée des sujets qui nous occupent ce soir. Je vais bientôt écrire un livre en compagnie d'un homme politique et puis peut-être encore un autre projet, mais cette fois plus personnel. Donc non, je n'ai absolument pas le temps de délivrer un quelconque message et je ne me sens absolument pas en mesure de délivrer un quelconque message de quelque nature que ce soit. Je suis simplement un éternel, un immense curieux. Donc lorsque je suis... face aux recherches d'un Nikaria Sitchin, j'essaye de les traduire le mieux possible pour un public lui aussi curieux, mais je ne me sens le dépositaire de rien, d'aucun message, d'aucune sorte. Je disais à Joël, et je le redis à l'antenne, je suis un éternel sceptique également, c'est-à-dire que je livre au public au mieux un raisonnement qui me paraît intéressant, qui me paraît instruit, qui me paraît érudit de la part de ce chercheur disparu et qui vaut la peine d'être transmis. Mais ça s'arrête là, ma mission. Hein. Le reste, après, c'est à chacun de se faire son opinion. Il faut lire les livres. Et encore une fois, il y a des aspects des thèses de Zecharia Sitchin que je trouve faibles et que je mets en doute. Même si au final, je suis absolument persuadé qu'il s'est passé quelque chose dans nos civilisations, dans notre civilisation humaine, qui ne ressemble pas du tout à ce que la science essaye de nous faire passer. Voilà. Mais modestement, c'est tout ce que je peux en dire. D'accord. De toute façon, c'est clair qu'on voit qu'ils appellent ça le chaînon manquant, hein. Est-ce que je manque entre le début et ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce fameux chaînon manquant va dans le sens de Sitchin, c'est-à-dire que véritablement, oui, entre l'Homo erectus qui aurait été la matrice initiale de notre hybridation et l'Homo sapiens, effectivement, il y a un trou énorme dont ne rend pas compte la science. Et je pense que ce chaînon manquant, on ne le trouvera pas parce qu'il n'existe pas, tout simplement. Tout à fait. En fait, elle n'en rend pas compte, mais elle nous en sert un autre, quoi. Oui. Entre guillemets. Mais je peux me permettre de saluer Liberté. Ah, excuse-moi, Gérard Max, j'ai complètement oublié de saluer. Non, t'excuse pas. Il n'y a pas d'offense. Mais ne penses-tu pas que, comme je le disais à Olivier précédemment, la question principale, c'est celle du choix de notre cœur, au sens biblique du terme. Enfin, je dis biblique, hein, parce que le cœur possédant un cerveau miniature, vient-on le découvrir ? Paraît-il, depuis 2-3 ans, les scientifiques ont découvert que le cœur possédait un cerveau miniature. Dans la Bible, il est dit que Dieu regarde, sonde les cœurs, et les reins et les cœurs. Et ce qui compte, c'est la décision de chaque être humain, qu'il prend au fin fond de son cœur de faire le bien ou le mal. D'où la légende, effectivement, enfin pas la légende, le mythe, disons la tradition d'Abel et de Caïn. Oui, mais là, on ne va pas avoir le temps, là, parce qu'il est 4h52. Mais non, c'est bien qu'on n'a pas le temps. Non, mais j'aimerais bien terminer avec Olivier Magnan, parce que bien je veux sûr, dire... Bien sûr, je vous laisse, et je vous souhaite une bonne journée. Mais c'est quand même, ce qui me semble la question principale, au-delà de tout, moi, j'ai écouté, j'ai été visité, et voilà ce qui m'en ressort. C'est-à-dire qu'à mon avis, les troupes célestes ne se manifestent pas au grand public, parce qu'elles attendent un ordre
divin de le faire. Ok. Il nous observe. On vous dit merci à Liberté. Bonne journée, merci. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous. Très intéressant ce que disait Pascal sur les pseudo-lézards, hein. Entre parenthèses. Mais ça, peut-être un jour, on fera une nuit sur... Ouais, ça serait bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça va faire peur. Non, mais tu sais, en plus, tu disais que quand tu allais pour toucher ce livre, ça te brûlait. Mais c'est-à-dire, il m'attirait pas, quoi. Voilà, ouais, ben peut-être que c'est tout simplement la sombre réalité qui t'a repoussé, quoi. Voilà, sur ce, bonne merci fin de nuit. Merci à tous les deux. Merci à ton invité et à toi, Joao. Merci à vous. Donc, merci beaucoup, au revoir, bye. Voilà, donc si vous voulez retrouver Olivier Magnan, il suffit de lire ses livres, c'est un très bon traducteur. Je lui disais, tout à l'heure, il écrit très bien Zecharia Sitchin, et qu'est-ce que vous m'avez répondu, Olivier? Là, c'est pas gentil ce que vous me faites dire. Zecharia Sitchin a une expression en américain, tout à fait correct, mais ce que j'ai tenu à faire passer dans ma traduction, c'est une dynamique, un souffle qu'il n'avait pas, parce que il n'avait pas besoin de le donner. Vous savez, les publics anglophones ne sont pas du tout sensibles aux mêmes choses que les publics francophones, et donc je me suis simplement ingénié à essayer de donner une traduction très lisible, très dynamique, plus chaleureuse que l'original, tout en respectant complètement le sens de ses propos, bien entendu. Et les illustrations figuraient dans son livre à lui aussi? Ça, ce sont les illustrations originales qu'il donne avec chacun de ses livres. D'accord. Non, mais c'est un livre qui est agréable à lire, parce qu'on peut le lire en même temps comme un ouvrage de science-fiction, d'anticipation plutôt. C'est vrai. Hein, on peut le lire comme ça, mais toute façon, même si on le lit comme ça, il se passe des choses, parce qu'on se rend compte quand même, ça nous parle. Donc, Cosmogénèse, qui est l'épreuve scientifique de l'existence de la planète cachée à l'origine de l'humanité, Rencontre avec le divin, une explication des visions des anges et autres émissaires, La douzième planète, dont vous n'êtes pas le traducteur, Quand les géants dominaient la Terre, Dieu, demi-dieu et ancêtre de l'homme, la preuve de notre ADN terrestre, la fin des temps, reviendront-ils et si oui, quand? Le livre perdu du dieu Enki, mémoire et prophétie d'un dieu extraterrestre. Et il y est aussi la traduction de Géraldine Houdin, qui n'est pas la mienne, et qui est cette fois un propos romancé, hein, de Sitchin, et non pas du tout un essai scientifique. D'accord. Et ben voilà, je vous remercie, Olivier, d'avoir tenu l'antenne comme ça jusqu'à 5 heures. Merci à vous, Joël. Et j'espère qu'on se retrouvera peut-être pour faire une émission sur les instituteurs, parce que ça doit être aussi intéressant. Les instituteurs, par exemple, pourquoi pas, hein. Ouais. Après tout, ça nous changerait quand même pas mal d'univers. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous. Très bonne semaine à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 4h57 pratiquement sur l'antenne. Donc, je rappelle Zecharia Sitchin traduction de... Il est temps que je m'arrête, de Olivier Magnan, qui était présent. La semaine prochaine, ça sera une nuit musicale avec Fabrice Tonnelier. Et il y aura, comme toutes les semaines, enfin comme une fois par mois, en tout début de nuit, une chronique Encre Noire. Vous découvrirez ça la semaine prochaine. Voilà, on va partir un peu avec les jardins de Mésopotamie. On va retrouver tout de suite, pour finir cette antenne dans 2 minutes 30 exactement. Très bonne semaine à vous, que le soleil accompagne vos pas et que Nibiru n'arrive pas trop tôt sur nos têtes, parce qu'on a quand même envie encore de vivre un peu longtemps. On va partir avec les jardins de Mésopotamie. Très bonne semaine à vous.